ça. Alors attends, je vais fermer ça. Voilà. Tu peux y aller? Ouais, vas-y. Il est 17h08. Alors où est-ce qu'elle est ma boîte? Il est 17h08? 7h08, ouais. Ok, bon, on va décoller à 5h20. D'accord. On va arriver à 19h à Toulouse quasiment, quoi. Grosso modo, on va compter 19h à Toulouse. Ouais, le temps de faire les intégrations et tout. Voilà. Alors. Alors on poursuit donc notre vol. Attends, on va. Voilà, ici. Bon, je vais prendre celle-là quand même. Je te ferai un signe comme ça pour te dire que c'est. Ouais, je vais, après je prends la carte. Ah ouais. Juste pour montrer comme ça la vidéo. Alors attends, prends plutôt celle-là. Ouais, pour que tu veux, non, mais te casse pas, Pascal. Si je prends au travers le doigt. Ok, alors attends. Bon, alors on va faire du VZ aujourd'hui. Alors vas-y, Jean-Luc, on fait du VZ. Alors. Et tu rigoles, les instructeurs ils font ça, ils te foutent la carte comme ça, hein. Allez, t'es là, on est dans les machines. T'as envie de dégueuler tout ce que t'as. Allez, on est parti. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, on nous sommes à Arcachon ici. Arcachon. On a pris les contacts avec les camarades de l'aéroclub. Toujours pensé dans les aéroclubs locaux, les mecs sont toujours de très bons conseils. Donc en fait, on va décoller comme ceci, en direction de l'océan. On va prendre un point qui n'est pas sur les cartes encore. C'est un point qui s'appelle Sierra Delta. C'est au sud de la dune du Pila. Donc on va sortir en Sierra Delta. On aura dans la dune sur la droite. On va rester à 1000 pieds, pas au-dessus, sinon on passe à Vénémilly. On va rester ici, on va passer au-dessus de l'eau et on va re-rentrer dans le bassin d'Arcachon. On va passer devant le restaurant où on a mangé à midi, on va longer la ville d'Arcachon et on va sortir ici au point Echo. Et au point Echo, on va tirer tout Sousa sur le terrain de Condon. Voilà. Et après, du terrain de Condon dans le Gers, on va tirer sur Florence et on va rentrer par le point Whisky Hotel, qui est le point d'entrée de Blagnac. Et en fait, on va prendre un transit obligatoire qui va nous faire traverser les pistes de Blagnac avec une verticale des usines de Airbus. De là, on va filer sur un point ici. Je crois que c'est Eco Alpha, il faudra qu'on vérifie sur la carte. Ouais, c'est ça, Eco c'est Alpha. Ça. Et de là, Eco Alpha, après, on s'intégrera sur la piste en service à Lasbourde. On devrait y être dans 1h30 environ. Okay. Voilà. Donc on va passer la soirée à Toulouse. Ça tout va? Eh bien, c'est tout bon. Allez. Donc ça c'était la carte au millionième, derrière Pascal a la carte au 500 millième où on a tracé le log dessus, tout propre. C'est fait, donc le moteur est en train de chauffer. Nous aussi derrière la vitre on est en train de chauffer. Là, on va monter un peu donc le son. Bon, alors moi je récupère, tu vois comme ça là. Voilà, il va falloir, parce qu'il faudra quand même que je récupère ma carte parce que j'aurai besoin de la fréquence d'Aquitaine. Alors, ta carte elle est là. Je vais juste me la renoter. Elle est notée sur le log, mais je vais la mettre dans ma mémoire immédiate. Condon, Condon, Condon. Oh, on va passer avec SIV Pyrénées même. Bon. On va passer de Aquitaine avec Pyrénées. Bon, alors ça on le garde, on fait en sorte que ça s'envole pas. Ah, ça c'est de la paperasserie. Alors, on passera les Pyrénées. Donc là, on a la TEMSI, on l'a imprimé, crac. Et on va là, par là. Où est-ce qu'on va? On va par là, ici. Ce soir, c'est bon. Fox Golf, Arcachon, bonjour. Fox Golf, Romeo, Fox Yankee, un Aquila, deux personnes à bord. Demandons les paramètres pour un vol local. Donc ce qu'on va faire, là, quand on va être dans le bassin d'Arcachon, ici, pour la 25 000, on va faire un direct tour. Sur le terrain de Condon. Piste 25, QNH 1019, Fox Yankee. Et là. En fait, pourquoi j'avais fait ça? Parce que si tu fais un direct tout de là à là, tu passes au sud de la zone interdite, la fameuse P5. Ouais. Voilà. T'es sûr de ne pas la traverser? Parce que lui, il voulait qu'on passe à bord de ce 4. Qu'est-ce que j'allais foutre là-haut, hein? Ouais. Non, non, on va aller de là et on va tirer là. Donc c'est LFID. Donc là, ce qu'on peut faire ici, on fait un go-to LFID. C'est pas le plus bruit, LF. Et voilà, Condon. C'est que quand on sera au bassin d'Arcachon là-haut, on refera un direct tout. Le terrain est déjà marqué, on refera activé et il nous remettra le track à cet endroit-là. On gagne du temps, tu vois. 3 personnes à bord, on arrive au point Novembre Whiskey à 1000 pieds. Novembre Echo, pardon, à 1000 pieds. Si vous pouvez rappeler vertical Novembre pour la 25 019 au QNH.
je vous répéter s'il vous plaît, son uniforme. Son uniforme, vous rappelez Vertical Novembre pour la 25 en service, QNH 1019. Et toujours tes lunettes, hein, Jean-Luc. Novembre, la 25 en service et le QNH 1019. Voilà, si tu veux. Ouais, mais bon. Bon, alors. Lui, je disais, on l'entend bien le moteur. Moi, je dis, on le sent bien le souffle du moteur. Ah, ouais, la fenêtre ouverte, ouais. Bon, allez. T'as vu? Eh, ça devient technique là, regarde Jean-Luc. Allez, on va appeler la tour. Voilà. Ah, bah ouais, là, c'est. Là, c'est... Là, deux à bord là. Ah, ouais, non, mais là, c'est. Ça devient sérieux là. Arcachon, Fox Tango Novembre, bonjour. Bon novembre, Arcachon. Bon, bonjour, Fox Golf Bravo Tango Novembre, c'est 572, 3 personnes à bord. Pour un vol VFR à destination de Toulouse-Lasbord, on a pris le QNH de votre dernière communication en 1019. Ça sera donc un départ 25. On aurait souhaité une sortie par le point Sierra Delta à 1000 pieds, puis après remonter l'entrée du bassin d'Arcachon, toujours à 1000 pieds, avec une sortie égo. Pas de souris, souci Tango Novembre, vous pouvez rouler pour la 25 derrière l'Aquila qui roule également. Et pour info, les zones de cazot sont libres. C'est bien pris madame. On mettant quand même 1000 pieds et derrière l'Aquila au roulage, on roule pour le point d'attente de la piste 25. Bon, c'est tout bon. Bah écoute, cazot est fermé, c'est normal à partir de 5 heures eux. Ouais. Bon, 5 heures, quand c'est pas 4 heures. Bon, alors. Moi je note un roulage à 17h14. Ben, il fait chaud hein, oula. Ouvre un peu hein. Ah ouais il fait chaud, ah ouais, ah bon. Non, on va essayer de pas découper le on col avec l'hélice. On a rien oublié par terre. Ah mais tu rigoles mais... Des fois les téléphones, tu sais, tu les poses sur l'aile ou sur le capot, des fois t'oublies des trucs hein, faut faire gaffe. D'ailleurs hein. T'as raison en parlant de téléphone là tu vois. Ah ben vérifie. Non mais il est avec moi, t'inquiète. Bon. Alors je vous propose de faire la partie Putain mais moi j'ai pris chaque repas quand il me manque un morceau de ceinture, c'est pas possible quand. On est connu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? C'est pas possible quoi. Parfois je la rallonge quoi, à chaque repas quoi. Je finirai à Avignon quoi. Je vais m'asseoir sur le siège arrière quoi. Non mais c'est pas possible ça quand même quoi. C'est le réglage du siège qui doit... Bah ouais non mais c'est ça ouais. C'est ouais, pas ouais on va dire ça comme ça. Bon bah, allez, SDVFR lancé, j'ai combien sur l'autonomie? C'est pas 60 heures je crois. Alors, c'est un vrai bazar ce truc. Pas assez vu, on va regarder le paysage un peu, même s'il n'y a rien d'intéressant dehors dans les médias. Voilà. Bon, donc je vais filmer toute la partie initiale et en même temps je vais essayer de prendre des photos de. Ou quoi. Il est reparti. Là c'était comment il s'appelle non pas Daffy Duck. Woody Woodpecker. Woody Woodpecker. Voilà, bassin d'Arcachon. Bon vous allez tout va se passer sur votre droite hein. Tout sur la droite. Ouais, parce qu'on va passer au sud de la dune du Pilat et puis après on va tout faire comme ça en remontant. Okay. En plus on aura le soleil normalement sur notre gauche, donc on devrait être pas mal. Alors l'autre je sais pas pourquoi il met toujours une ou deux minutes là pour. Oui. Bon ok on se calme. Jean-Luc, alors tiens regarde, vas-y, refais le regard inquiet de Jean-Luc. Heureusement je suis derrière. Hein. Ouais. 9 minutes 41, tu vois déjà depuis le départ. Ah ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu fais là, ça check. Parce que c'est uniforme, on arrive au mois de novembre. C'est uniforme, vous pouvez rappeler votre arrière 25. On rappelle votre arrière 25, très uniforme. Ah, c'est ça, ouais, bien sûr. Un atterrissage, c'est ça? Ouais, novembre, mais bon, le temps qu'elle s'intègre et tout. On est où, nous?
Ah ben ça y est, pas trouvé là. Ah ben c'est vite. Arcachon. Approche. Fox en novembre, on est au point d'attente Alpha 2, on est prêt. Bah, il est parti l'autre? Non. Ah bon. Oui mais on peut rentrer. Novembre, on va laisser l'Aquila quand il sera prêt et vous pourrez y aller derrière en avançant jusqu'à Alpha 3. C'est bien pris. Derrière l'Aquila, on s'alignera via Alpha 3. Ouais, et gentil, j'espère qu'il va passer 2 heures. Ça, c'est le problème des vols d'instruction quoi, l'instructeur il explique et tout, c'est normal, c'est le job hein. Comme une auto-école en voiture, les mecs des fois ils se traînent un peu parce que le gars il explique des choses. Ah bah de toute façon moi ouais j'en ai pour enfin. Pourquoi il nous a pas donné de passer à droite? Bah parce que c'est une couille hein, c'est tout hein. C'est comme ce matin, pourquoi elle nous a fait faire tout ce bordel alors qu'on aurait pu s'intégrer en finale hein. C'est procédure hein. Bah là on pouvait puisqu'on était prêt. Elle bah, nous c'est à pour ça que j'ai annoncé que j'étais prêt hein, pour passer en Alpha 2 quoi. Bah ouais mais à ce moment là toi tu pouvais pas lui dire bah écoutez vu le temps et machin je suis prêt je décolle à droite puisque t'es un affiche. Ah ouais mais peut-être qu'elle elle va te dire oui monsieur mais non parce que les règles ici de décollage il faut décoller du bout de la piste donc voilà. Ah ouais. Et ce taxi oui il est juste là pour faire joli quoi. Ah ouais. Alors moi le fait que je lui annonce. Je suis prêt uniformement en arrière piste de l'impact. Ouais mais c'est clair on va se tanker 2 heures là derrière. On rappelle bien les virages. On rappelle bien les virages parce que c'est uniforme. On est au point d'attente Alpha 3, on est prêt pour un décollage de la position. Ah. 320 degrés 10 à 20 nœuds. Ça c'est une nouvelle cam. Alors je lance le cam. Salut, ça va, c'est bien. Voilà, allez, tiens. Le film, la GoPro qui me filme. C'est pas merveilleux ça? Non, ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Allez, hop, ça intro, hop, ça intro. Donc au novembre, je vous suggère de passer derrière le trafic en base, derrière. C'est bien pris, bien sûr madame, il n'y a pas de souci. Tango novembre, on maintient Alpha 3. Ben, je vous suggère, évidemment, sinon l'autre il va faire la remise de gaz. Hein. Le temps que moi je m'aligne, je laisse décoller, et que je décolle, lui derrière il va faire une remise de gaz. Décollage 25. Match. 330 degrés, 10, 10 nœuds, maximum 20. Ça serait uniforme, dernier virage, c'est 25. 330 degrés, 10 à 20 nœuds. Vous êtes un toucher qui serait uniforme? Attends, c'est uniforme. D'accord. Ok, rappelez vent arrière, main gauche. Tu vois, c'est ce que je disais par rapport au trafic AI de France VFR. Il y a un côté hyper réaliste parce que si tu mets la TC du simulateur, pour le coup, oula, bah dis donc, il y a une sacrée dérive, il verra de comment il arrive. Du coup, tu vois, là on entend des avions qui sont réels puisque c'est des plaques d'ici, le mec il est en tour de piste. Hein. Ouais. Donc sur le simu, tu peux te reconstituer ça à la maison. Voler avec des avions du coin. Ah la dérive qu'il y a. T'as vu un peu la correction de dérive? Là tu le vois super ah, bien quand là, même là, ouais. Tu vois, regarde là. T'as vu là? Là on le voit bien, hein. Et c'est un petit peu secoué quand même. On ah, dirait. C'est un avion de la DGAC ça. Non, c'est pas un avion d'ici. Ça, c'est des élèves de l'ENAC. Tango novembre, derrière le trafic en touch, on remonte la piste 25 et on s'aligne en maintien. Il a fait un petit peu un pontage quand même. Me semble-t-il. Ah oui, il fait qu'un touch. Ouais, ouais, il avait annoncé. Là, il y aurait du monde dans le circuit de suite. Hein. Je m'aligne, je décolle. Hein. Ouais. Tu vois. Là, avec ça, il tout bien considéré. On va mettre le cap sur Sirlette. Hein. Voilà. Oui, oui, je comprends. Rappelez Sirlette. Bah, tu m'étonnes. Le mec il part sur Sierra Delta, parce que là mon avis il a dû se faire un petit coup de chaud. Tout bien considéré, on va partir, hein, on s'en va. Oui, je disais... Et les intentions du trafic qui nous précède. Sierra Delta également. Merci. Là tu vois, on a le temps, donc je préfère m'aligner jusqu'au bout. Il y aurait du trafic, j'aurais décollé de la position, mais là tu vois... on voit les trois... T'as vu, on a les deux avions devant nous. T'as vu? Ouais, ouais, on les voit bien. C'est joli, hein. Ouais. Alors... On est aligné, tu vois il y a une erreur toujours de 5 degrés sur le compas, hein. Bon je le sais. Là 250, lui il est bon, lui il est bon, ça c'est ok, les breakers c'est ok. Lui il est ok, ça, volé. Le vent il vient de là, donc il va falloir tenir la manche. Tango novembre, on est aligné piste 25. On décolle pour une sortie Sierra Delta 1000 pieds, une remontée vers le bassin d'Arcachon. J'ai reçu le dernier vent 330 degrés 12 à 20 nœuds, rappelez Sierra Delta. On va
rappelle, Sierra Delta, Fox Tango Novembre. Bon, le décollage va être un peu chaud, mais enfin chaud. J'ai eu le temps. Voilà. Et sur les freins, on est parti. Yeah, 17h22 au top. Allez, la puissance est affichée. Le badin est actif. On n'a pas d'alarme, on poursuit le décollage. 55 nœuds. On le tient. Allez, 60, rotation. On redonne du manche à droite. Voilà. Au revoir la tour. Donc, il faut garder l'axe de piste sur notre avion. Ouais. Pour pas se faire shooter. La vitesse. On remet un peu du nez. Fox Yankee, on approche Sierra Delta, bien sûr. À tout à l'heure, Fox Yankee. À tout à l'heure. Voilà. Olé. Alors, gazo à gauche. Allez, 300 pieds, on va rentrer les traînées. On va choper les dégueulantes dans le relief. Donc ça va remuer, tant qu'on n'est pas au-dessus de la mer, ça va remuer. Hein. Ah ouais, là ça fait pas 100 points. Ah ouais, ouais, bah ouais. Ah Jean-Luc, c'est pas bon ça? Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça. Ah ouais, là au moins t'as l'impression de faire quelque chose là. Ah ouais, oui. Pas sûr qu'il soit très à l'aise Jean-Luc là. Bah si, ça va, on va dire ça comme ça. Non, mais si ça va pas, il faut le dire. Non, ça va, t'inquiète pas. Ça me gêne pas, hein. Non. Non, il a 5 heures de vol. Je suis X-ray uniforme, on passe Sierra Delta à 1000 pieds. Au revoir X-ray uniforme. Au revoir, bonne journée. Merci également. On l'aura vu sous toutes les coutures là. Ouais, la dune. Ouais, ouais. C'est génial ça. Moi je la vois pas encore là. Alors que si on s'était posé en Dermos, la dune, on l'aurait pas forcément vu comme ça. Mais peut-être qu'un jour je reviendrai, tu vois, sur Arcachon là, parce qu'il est pas mal ce terrain. Bon alors, la dune là, elle est... Ouais. Il est couillon lui. MB est à bord, ça y est. Je crois, ouais, effectivement. Madre de Dios, on l'a embarqué. Et ouais, à force de l'invoquer, il finissait par arriver. Hein. Ah, joli. Bon, là, c'est un petit peu en zoom, donc je me fais tabasser, mais... Après, on va l'allonger, de toute façon, hein. Ouais. Bon, alors, il est derrière. Tu vois, regarde, on a pris quand même, allez, 100 mètres de latéral par rapport à l'axe de la piste. C'est fou, ça. Ouais, mais c'est parce que je suis obligé d'aller chercher Sierra Delta qui est là, tu vois. Ah ouais. Parce que je pense que la verticale, ils n'ont pas trop apprécié. Ah bah c'est sûr. Ah ouais, donc tu vas couper soit avant, soit après. Ah, joli. Bien. Bien. Ah, très bien, Phil, très bien, c'est nickel. Voilà, tu vois, l'avion il est compensé là. Bon, oh, allez, c'est bon. Après, on a des courants, hein, ça on peut pas lutter. Ouais, bien sûr. Faut laisser faire. La dune, parce que le vent il tape là et ouais, ouais. Il fait des ce qu'on appelle des rotors là. Ah ouais, d'accord. Pour voir de loin, j'ai pas besoin des lunettes. Hein. Là y on est stabilisé, c'est nickel, je remonte la dune au cap. Ben, c'est chouette, on va à l'océan, demain on verra la Méditerranée quoi. C'est une belle hein, la vie hein. Ouais. Là, bravo. L'humidité c'est comme ce matin. Hein. Ouais. Cette espèce de brume de mer là qui Ok, trop de zoom. Toi, il t'allait dire ce brume de merde. Non. Non, je suis quand même habitant du bord de mer donc. C'est je vais m'annoncer là. Fox Tango Novembre, on passe Sierra Delta, 1000 pieds pour un virage à droite. Et une rentrée dans le bassin d'Arcachon. Reçu rappel pour quitter Tango Novembre. On rappellera pour quitter Fox Golf, bravo Tango Novembre. Bah là c'est joli là. Attends, j'ai fait une connerie. La porte est pas fermée. C'est pas fermé?
Bah vas-y, elle est fermée. Non, elle est fermée. Ça risque rien. Attends, bouge pas. Ah non, mais elle est fermée. Derrière, elle bouge pas. Il y a peut-être un truc qui force. Vas-y, ouvre-la. Non, non, ouvre-la. Ouvre-la, elle est pas fermée là. Vas-y. Voilà. Voilà. Nickel. Bon. Alors, et une bêtise, une. Bon, eh, tu connais le tarif? Ouais. Ils vont au moins ce standard. Ouais. Ouais, mais en réel, ça double le tarif en fait. Regarde si c'est beau devant là. Ah ouais, c'est magnifique. Vise plutôt vers le bas quand même parce que c'est du grand angle. Ah, c'est excellent ça. Coucou. Hello everybody. Everybody. Bon ben la voilà cette fameuse dune du Pila. Hop là, il y a de l'eau en dessous. Alors on a mangé où nous du coup? On a dû manger là-bas peut-être. La digue je la vois là-bas. Là-bas, là-bas là. Ouais. Ah oui, d'accord. Effectivement. Donc là on entre directement dans la baie là. Et ce matin on était entré par là à peu près. On est voilà, où est-ce qu'il en fait est à gauche de la dune. Hein, ouais, là. On va se rapprocher un peu pour voir un peu la plage quand même. Hein. Et donc on est arrivé ouais, juste à la verticale des bâtiments là. Des bâtiments, ouais, des maisons. Et l'aérodrome, ben, ça doit être la structure qu'on voit qui est dans l'herbe là-bas. Ouais. Je vais essayer de zoomer. Enfin, ça, essayer, c'est pas un problème. A priori, ça devrait. Ouais, peut-être bien ça. Le resto, on va y arriver là. Il est là juste là. Hein. Ouais. T'approches pas trop parce que sinon, je verrai pas. Hop là. De toute façon, c'est pas compliqué pour le repérer le restaurant. Au bout de l'acheter. Il y a un ponton avec un bateau à côté. Ouais. Tu me diras le bateau, il peut avoir bougé, mais... Ouais, moi, quand on regarde sur le simu d'ailleurs, tiens, s'il y a ce ponton là, on va le rajouter, ça sera rigolo. Magnifique. C'est large quand même, le bassin. Ouais, ouais, c'est très large. C'est grand, très hein. Large qu'on... Tu t'approches beaucoup, Phil, j'ai pas le voir. Là, je vois plus rien. Tout ce qui est en dessous, je vois pas, là. Bouge pas. Hop là. Là. Ok, c'est bon. Nickel. Parfait. Au bon moment. Stabilise et je zoome. Voilà. Donc, le ponton avec le bateau. Voilà. Ici, très bien, table, et zoom sur le restaurant, voilà. On était là sur la partie gauche, en bétonné là, juste à l'angle, hop là. Et quelque part derrière, là on voit où il y avait l'église, on est allé au sommet là. Voilà, avec la statue ici. Nickel, fit, nickel. Donc une vue globale sur toute la partie habitée. Et donc tout à l'heure on est allé au port qui est là-bas alors. Non, le port il est là-bas même. Ah oui, bien. Ouais, puisque c'est ouais, derrière ouais. La grande roue. Ouais, c'est derrière là-bas. De toute façon... Oh, ils ont un cimetière ici. Ah, t'as vu, c'est complètement à sec alors que ce matin ça ne l'était pas. Hein. Il y avait un bout. Oui, ouais. Alors, avant que tu vires, je fais un petit zoom, ou tu commences à virer, tu me dis. Voilà, bon, j'ai fait un petit zoom sur la ville. Et en bout d'elle, là-bas, on a le port. Et bon, tu peux y aller, Phil, quand tu veux. Station de Foxcoff, Juliette Zulu Fox, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, nous sommes un DR400 avec 3 personnes à bord qui partons pour un vol local et peut-être des tours de piste.
et demandant les informations pour décoller. C'est la 25 en service, QNH 1019, unité 9, et le dernier vent 320 degrés, 10 à 20 nœuds. Piste 25, QNH 1019, merci. Arcachon de Fox Zulu Fox en roule pour Alpha 3. Vas-y, tu peux prendre le manche. On longe la côte jusqu'au bout là. D'accord. Et à un moment donné, on va tirer droit sur Condon. Attention, stabilisé, je zoome. Le but du jeu, de retrouver le bateau de GG. Bah, on avait un gros point de repère là, il y est toujours là, ok. Allez hop, bateau de GG. Il est quelque part derrière là. On va avoir du vent dans le cul là bientôt, ça va envoyer du steak là. Alors, c'est encore Arcachon tout ça. Tu veux la carte? Merci, ouais, vas-y, je te laisse. Ouais, c'est Arcachon. Après, c'est quoi? C'est la test après ou quoi? On voit bien le terrain là-bas. J'ai la 500 millième hein, si tu veux. Ouais, c'est surtout pour toi, si tu veux faire tes commentaires pour la vidéo. Enfin, si après, là, c'est pas la test, ça, non? Alors, ben, le problème, c'est qu'évidemment, c'est de l'autre côté. Donc, c'est de l'autre côté? La test, c'est pas là, en fait, c'est derrière. D'accord. Arcachon est en façade et la test est derrière. Si très bien. Et là, c'est quoi ce village, alors? Bah, je sais pas. Alors attends, un petit zoom sur... Ah mais c'est peut-être la teste, oui, parce qu'en fait c'est le bout de la teste qui est devenu l'Arcachon. D'accord. C'est comme c'est vachement plus grand et qu'il a dit qu'il y avait plus d'habitants. Ouais, ouais. Ça fait chier, le bassin, il est pile poil sur la pliure de la carte, quoi. Ça en est connu, hein. Ouais, exactement. C'est l'enc... Quel que soit le 1 millionième ou le 500 millième, c'est pareil, hein. Quel... Alors... Là on va pas tirer droit sinon on va s'empêcher la zone. Bon derrière on est en plein soleil donc c'est pas une bonne idée. LFID, allez c'est bon, hop. De là on va tirer sur LFID. Faut te remettre un coup de go-to. Hop, hop. Et là faut prendre un cap pour 125. Et il faut peut-être passer les zones habitées. Juste voilà, tu te glisses là entre les deux. Entre la zone habitée et l'espèce de d'usine qui est en haut bout là. Et là on arrive au point, putain j'ai déjà oublié le point. C'est pas Whisky Delta? Je viens à l'Alzheimer moi encore hein. Non c'est Echo. Echo, novembre Echo, Echo. Et on arrive sur Echo, novembre Echo dans 15 secondes là. Fox Tango Novembre, on arrive sur le point novembre Echo pour quitter le circuit vers l'est en direction de Toulouse. Bien reçu, quitter, au revoir. Au revoir, merci pour votre accueil, à très bientôt madame, au revoir. Voilà, voilà, on va pouvoir y aller. Je te refais un nouveau track. Hop, hop. Aquitaine, Fox Tango Novembre, bonjour. Bonjour Tango Novembre. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre. Un Cessna 172, 3 personnes à bord. On vient d'être libéré par Arcachon, dont on a décollé. À destination de Toulouse-Lasbordes, on est à l'extrémité au est du bassin d'Arcachon. Sur leur point leur point Echo et on fait route sur Condon en passant correctement en dessous de la P5. Bravo Novembre, Tango Novembre, pardon, transpondeur 1230 QNH 1018. 1230 1018 au QNH Fox Tango Novembre et on va libérer 1200 pieds pour 2000 pieds. Ah, Guidan Info, bonjour, du Fox Golf Uniforme du Pré-Québec. Pré-Québec, bonjour, je vous rappelle. Oui, il est vachement aimable lui. Hein. Fox Delta GDF, on arrive sur le bord de côte et on remonte presque côte nord à destination de Soulac. Pour passer Soulac et destination Royan. Reçu. J'ai 80. Bah là, par Fox Golf Uniforme du Pré-Québec, j'écoute. Oh, c'est pas si mal. On va chercher le track là.
et nous souhaiterons monter à 2005 s'il vous plaît. En fait, quand tu montes comme ça, la solution c'est faire attention à la bille. Ouais, mais voilà. Ouais. Donc on met du pied. On va chercher les 82, on se fout ce qu'il y a dehors pour l'instant. Ouais. 82, on a la bille, on a le vario positif, donc c'est bon. On décroche pas, tu vois. On est bien en positif. Tac. L'alti confirme qu'on monte. Et on tient nos 82 comme ça, le temps de la montée. Tout en jetant un petit coup d'œil au track. On vient s'éloigner de la P5 qui doit être à gauche là-bas. D'accord. Alors pourquoi je monte à 2000 pieds? Tout simplement parce que tu vas voir, on va traverser une partie des Landes. Ouais. Et il y a que des arbres quoi. D'accord. Ouais. Sont actives et les Romeo 31, vous voulez dire? Oh là, on en est loin de la P5. Hein. Ah, c'est Charlie Yankee, j'ai... Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai dit ça. J'ai pas compris, je vous vois. Parce que si on a une panne moteur, on se finit dans les arbres. Ouais, hein. J'ai compris. Donc il faut qu'on soit un peu haut quand même pour planer et essayer de trouver... Correct. Un échappatoire. Alors, il y a un très bon échappatoire en fait. C'est les zones où tu as les zones coupe-feu, tu sais qu'ils font. Il y a des endroits dans les forêts, ils se mettent pas d'arbres pour arrêter les feux. Donc c'est un bon endroit Golf, ça. Golf India, 7000 et contactez Limoges en 24-05, au revoir. Ah, regarde le fil à gauche. Direct en boudel au fond là-bas, on a la P5. À gauche là-bas? Non, non, à gauche 90. Dans le prolongement de tunnel, légèrement en arrière maintenant. Encore aller là-bas, la zone P5? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. D'accord. Ah oui. Ouais, bah là je suis parti trop bas là, je fais n'importe quoi là. Parce que visuellement, c'est le seul truc qui peut ressembler à P5 dans les secteurs. Là, par rapport à la carte, on est... ouais, enfin, toi tu l'as peut-être pas sur la 1 millionième, donc... On va aller rechercher le cap comme ça à gauche. Hein. Ouais. Ça te va? Tu veux le reprendre hein, tranquillement? Tu reprends tranquillement le truc, pas peine d'aller chercher de suite, tu vois. Même si on reste à redonner le cap. Alors le cap, ben, je vais t'en redonner un comme ça, on va faire la courbe du chien, c'est pas très grave. Regarde, hop. Pof, 125. Et là on est au 115. Là on est au 115, donc il va falloir tourner un peu plus à droite là encore, hein, légèrement. Voilà. Bien. Allez. Bien. Vas-y, encore un. Encore un peu. Ouais. Alors c'est bizarre qu'il met 125 alors que là... Ouais, on est dessus là. Ouais, pourtant on n'est pas à 125 encore. Faut se méfier au zoom aussi. Hein. Ouais. Voilà. Après tu pourras corriger en fonction, on risque d'avoir on verra un petit peu de dérive. Hein. Le compensateur, qu'est-ce que ça te dit? Ça te va ou non, ça va, c'est bon. Ouais, ben voilà, nickel. On a la vitesse, on a l'altitude. On est à l'écoute de la fréquence. Donc là on va passer au-dessus de Blainville. On est à Condon dans 30 minutes. C'est le point le plus long Condon parce qu'après ça va s'enchaîner vite. Hein. Arriver sur Toulouse, ça va aller très très vite. Bon, alors, Blainville, on s'en fout. Là, finalement on a eu du bol parce qu'on s'est posé du bon côté pour voir la dune et on a décollé du bon côté. Pour voir la dune. Là on va passer une autoroute. Ok. Pascal, on passe une autoroute. Hein. Ouais. Boum. Est-ce qu'on a des lacs quelque part devant nous là? Des lacs? Ouais, des grands étangs. Blainville, on peut pas être déjà là, on est déjà plus loin. Ça doit être ce Blainville là. Il y a un autre Blainville ici. Moi je serais tenté de dire comme ça. Non, je dis rien du tout, je regarde. Là, je suis en train de m'écarter là. Ok. Bon. Là, c'est pas évident parce que t'as vu, on a un horizon qui est un peu bouché. Ouais. Ah, donc, une grande route là, ouais, d'accord. Faut essayer de trouver un repère visuel par exemple. Ok, grande route. Ouais, mais oui, car quand même de la dérive, donc... Oui, car le trafic est croisé, descendez 5000 pieds, 1018. Bravo Delta 053, autorisé RNAV 05. On descend 5000 pieds, 1018, bravo Delta 053, autorisé RNAV 05, à 146 secondes de fois. Là, les trafics qu'on entend, ils se posent à Mérignac, hein, à Bordeaux. Le Air France, là.
Alors, Oscar, oui, si vous remontez sous peu, il faudra m'appeler assez tôt, j'ai un trafic CFR qui va survoler le terrain. Alors là, je préfère que tu le tiennes parce que là, je le sens pas. Il n'y a pas de soucis, t'inquiète pas, regarde. T'inquiète pas, regarde. Ça bouge un peu trop pour moi, alors. Ouais, ça tourne un peu. Fox, Tango, rebonjour. Fox, X-ray, Tango, rebonjour. Là, tu vois, j'ai peur de faire une bêtise. Fox, Golf, j'ai 1312, c'est bêtise, j'ai décollé de Stockcap 2000 pieds, 1018 pour un retour sur 1040. C'est pas grave, le gros reçu, la route vers Disca et rappelé pour quitter. Bon, Disca, on rappelle pour quitter, on met 2.30. Tiens, Mixer Tango, transpondeur 12.30. 12.30, transpondeur Tango. On va le laisser monter tout seul, tu vois, il y a des courants ascendants. Ouais, c'est. Fox Golf Tango, Charlie Yankee, fréquence. Allez, Charlie Yankee. Charlie Yankee, j'écoute. C'est pour faire un essai radio, Charlie Yankee. Je vous reçois à 2 Charlie Yankee. On va avoir des masses d'air par moment qui voilà, des fois il s'arrête, de monter. Ouais. Faut le laisser faire. Ok. Il doit y avoir un peu d'onde, tu vois. Tout à l'heure 19 Mike, descend 5000 feet 1018, clear down of approach runway 05. 5000 feet 1018, clear down of 05, tout à l'heure 19 Mike. Là il est repéré sur la carte, je pense. Est-ce que l'info du Fox X-ray Québec, est-ce que vous avez écouté Pascal, il faudrait que tu me donnes la fréquence du SIV Pyrénées. SIV Pyrénées. On va pas tarder à rentrer dedans. Alors, j'ai SIV Pyrénées de surface 126-525. On en est loin. Je vous suggère d'éviter de survoler le terrain au cas où. Ok, je vous remercie pour le Fox. On a plus de 20 nautiques. 126-125, c'est ça? C'est ça. Ouais, 525. Il va nous la donner la fréquence, mais de toute façon on en est loin. Parce qu'en fait on y rentre quand on est à proximité de Mont-de-Marsan. Enfin à proximité, c'est tout relatif. Quand on aura vu la prochaine autoroute, on est un peu plus au sud, on sera pas loin d'y rentrer. Ok, donc moi j'ai identifié la position comme étant ici. Voilà. Là, je faisais mes premiers cours de pilotage, ça bougeait énormément, évidemment, Avignon ça bouge plus, ouais. Plus qu'ailleurs, enfin, pas plus qu'ailleurs, mais ça bouge avec le vent. Et donc ça bouge quand même, ouais. Avignon ça bouge. On est habitué à bouger comme ça, c'est pour ça que peut-être à des étangs à gauche. Pour ça que okay, c'est ça. D'accord. Lire une carte en bougeant, etc. Okay. Au début c'est impossible à faire. Ouais. T'es malade. Et après tu prends l'habitude. Et mon instructeur, chaque fois qu'on allait quelque part, et c'est lui qui m'a initié au voyage. Ouais. Il adore les voyages, donc il m'a initié et du coup c'est pour ça que j'aime les voyages. Ouais, ben, tu m'étonnes. Et du coup, si tu veux, les premiers vols qu'on faisait, on allait manger, on allait pas loin, hein. Dans la Montélimar, à Valence, il y a 1 heure de vol. Ouais. On allait manger et puis on revenait. Et chaque fois qu'on faisait ces vols-là, au début, hein, les premiers mois, moi j'adore l'eau pétillante, j'adore ça, quoi. Ouais. Il me disait non, je prends un coca, non, mais il ne prends pas de pétillant. Parce que quand t'es pas habitué au vol et aux vibrations, aux turbulences, quand tu bois boissons gazeuses, ben ça te fait des flatulences, et t'as le vent tout ballonné, et ça peut générer des nausées. Et quand tu proposes des R400, même altitude... Non, moi c'est pas ce problème-là. Moi c'est mon oreille à terre, mon problème de vertige. Oui, 4 kilos, j'avais noté qu'il y avait des... J'ai une mauvaise perception des mouvements, et ce que j'ai peur, c'est de faire un rattrapage trop violent, ou un truc comme ça, tu vois. Oui. Il n'y a pas un risque parce que c'est un avion, on a eu des vitesses largement élevées pour on n'est pas en vol lent comme on faisait un décollage. Ouais. Vous avez vu quand on a décollé l'avion, je le tenais mais j'étais obligé de sans arrêt corriger parce que en vol lent, les commandes sont molles et l'avion est très sensible à l'aérologie quoi. Là sur des situations comme ça, à part vraiment de faire un truc complètement loufoque, je risque rien. Ouais, d'accord. On va passer des lignes de tension en principe. D'accord. Comme je disais hier à table, hier soir, on en parlait justement. Comment le couteur qu'on a, des fois, c'est surcorrigé. Ouais, mais en fait, c'est ma crainte. Hein. Non, mais tout le monde fait ça. Hein. Ah ouais. Tout le monde surcorrige. Alors qu'un avion, c'est comme un bateau, tu le laisses faire. Il reprendra toujours sa position. Après, je dis pas qu'il faut laisser le manche libre. Mais si il y a une aile qui se lève, tu mets du pied du côté de l'aile qui se lève, ça suffit. Ouais, d'accord. Après, si c'est pas suffisant, tu mets un petit coup d'aileron. Mais c'est pas la peine d'amplifier. Ouais. Parce que le courant, lui, il est comme ça. Et il te demande de le suivre. Si toi tu le contre, t'es contre courant et du coup tu en prends encore plus. Ouais. Ta ligne de tension elle est là-bas. Ah oui. Ok, c'est bon. C'est ça, elle passe à proximité des lacs. Devant nous, on va juste sur notre avant droit, je pense.
Ouais. Des espèces de marées, des trucs comme ça là. Ça a l'air de faire comme des flaques. Là à gauche, j'ai une espèce de lac à gauche là-bas. Ouais. Ouais, juste de l'autre côté de la ligne, c'est ça. Donc par rapport à la ligne que j'ai fait tout à l'heure, on est allez, un nautique à droite. Mais bon, d'accord. Tu te rappelles qu'elle était à l'estime, hein. Enfin, à la louche. Donc c'est bon, je sais où on est, je sais où on va. Donc un top à 17-22, 9 plus 7, 9 plus 37, ça fait 46. Donc ça fait une arrivée condom 18-06. Attends, je suis en train de me planter. 07. Y'a quelqu'un qui essaye de parler ou que j'entends pas ou quoi là? Non, 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 c'est bon, t'écoutes. Hein. Là, on voit les lignes de tension là. Ouais, ils sont dessus là. Okay. Voilà. 43, 48. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la radio que j'entends en fond. Ah bon? Ouais. Correction, Lufthansa 19 Mike, speed 160. Nautical, heureusement que tu nous le dis. On est sorti des zones ou pas de... Okay. Des zones de quoi? De Aquitaine, non? Ah non, on est encore dedans pour un petit moment là. Ok. Ah ouais, on a plus de... on a 20... 30 nautiques encore. Ok, ça marche. La France 46 nombre de fois, la tour 118-30. Alors tu vois, le GTM, c'est génial parce que... Le GTM, tu cliques là où tu es. Il te dit sur quelle fréquence tu dois être. Tu sais avec quelle SIV tu es. Ah oui, d'accord. Par contre, à 3000, t'es le TMA Aquitaine 2. Merci. No problem. No problem for me, 1-9-Mike. T'as entendu, Phil, à 3000, là, t'as une TMA classe C. Hein. À 3000 pieds. Ouais. Ouais. Bon, ça va, on n'est pas à 3000 pieds là. Non. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, on s'est fait vachement branler avec Jean. Devant Jean-Luc, ça bougeait dans tous les sens. Et en anti-mini formal, on va monter les directs sèches. Ça tient, on va rester là. Ouais. Je suis direct sèche, on monte à 140. Je suis partisan, comme ça marche, hein, on touche plus quoi, parce que. Il va vouloir monter à 3000. Fox, hôtel Lima Romeo Alpha, contacté. La Rochelle. 124 décimales 2. Ah, ça on est bien là. Non, voilà. 124 2, ça on est là pour l'instant. Ouais. Pas besoin de changer. Et c'est vrai que tu passes dans Pomeland. Là, tu te demandes où c'est que t'es hein, en fait, vraiment. Mais là, c'est le trou du cul du monde là. Alors j'ai dit quoi, 17. Parce que dis donc. 48. Pas beaucoup de. Bah, c'est le Gers. Après, on t'a tapé le Gers. Tu sais, le Gers, c'est rural hein. Mais point de repère, c'est pas ça. Hein. Ah, c'est plat. C'est plat, il n'y a pas grand chose. Heureusement, il y a de temps en temps, tu as une ligne de tension, tu as un petit lac, mais bon. We have now 160 Lufthansa 199. Ok, thank you very much. Donc 5 nautiques, 3 minutes. 48, on va faire 3 minutes, on est à peu près à 5 nautiques. On va voir une sorte de bled en dessous. Un bled. Il serait en go, vous pouvez afficher 7000 équités, au revoir. 7000, en 850, au revoir. Là, on commence à rentrer dans la zone, tu sais, à 8000 ouais. Pieds là. Ouais, ouais. Ma vie, c'est celle-là. La zone à 8000 pieds, elle est là. Ok, bah c'est vraiment Bledville là. Bah, Bobland même. Et là, tu vois, sans rien toucher, l'avion il monte tout seul. Hein. Donc on voit pas le. Ouais, ouais, okay. Ouais. On a une petite route qui va d'un patelin à un autre là-bas. Là-bas, il n'y en a pas. Ok, visuel. Les panneaux solaires, ils sont pas indiqués sur les cartes quand même, si? Bah, je crois pas, non, non. Non, non. Parce que là, il y a un truc qui pourrait ressembler à des panneaux solaires. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir les éoliennes, c'est plutôt des espèces de pour plus haut, Bordeaux 133-77, au revoir. 133-77, au revoir, Europe 46. Tu verras demain, comme si on passe sur Carcassonne et Carcassonne-Lézignan. Ouais. Oh putain, des éoliennes, t'en veux aller à Lézignan, ça déclafie quoi. Alors. Donc là, il profite de l'aérologie locale. Ouais, ouais. Et en plus, en haut, il y a le petit phare. On est juste ici, voilà. Derrière le doigt là. Ça se voit, il y a le patelin ici, derrière là-bas au fond. Et entre les deux, il y a une route. Coupe en ligne droite. Comme ça, on l'a traversé perpendiculairement, pas de doute possible. Il s'éclate Pascal, il a lui. Il est imperturbable. Tu lui donnes une carte, une calculatrice, une règle. Il s'éclate quoi. Je suis sûr que tu lui commandes deux cafés, il te les sert. Peut-être pas quand même. Non mais c'est génial parce qu'effectivement c'est agréable de suivre la nave. Hein. Surtout que là c'est génial, intérêt. C'est un jeu qui est extraordinaire. T'as intérêt de savoir où tu es parce que putain c'est pas le bled. Ah là, là je peux te garantir que Bledville c'est Bledville. Ah bah tiens, tu vois ce qu'on voyait sur la carte ici. Bon je parlais à la caméra. Ouais. Tu vois la caméra, ce qu'on voit ici là,
des Blainville qu'on voit là. Et entre les deux, il y a un chemin. 44 le mec qui court des 150 sur les 2-0-5. Voilà, ici, là, crac. Bonjour, Gérard 44, ouais. Québec. C'est rigolo, c'est bon, là. Ouais. Descendez niveau 8-0. Ah non, faut zoomer, ok. Là. Oh, je crois que c'est des. 0-5. C'est l'arrosage. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire les trucs que tu voyais beaucoup aux États-Unis avant. Oui, non, tu commences à les voir en Europe. Et ouais, et en France. Il n'y a pas moyen d'avoir la 11 pour l'arrivée. Ça, c'est des terrains qui ont été gagnés sur de la verdure, tu vois bien. Et oui, enfin, en plein milieu d'une forêt. Il y a un tas de zones R quelque part sur la droite là, ça c'est un... Et l'enfer du R. Regarde, tu as des crop circles à gauche. 109 on a une R115 Charlie de surface à 7800 pieds. Ok. Donc si tu continues, ouais, oblique légèrement à gauche. Blainville ici. On devrait la tangenter si on reste sur cette trajectoire là. Parce que là, elle est vraiment... Kiko, Victor Kilo rejoignait Sireco à 15 son pied, que bon, la, la tour... On a les Martiens qui sont à 18 3, Sireco, 15 son pied, que la 18 Victor Kilo, pardon. Hop là, la preuve, hein. Les Martiens sont parmi nous. Ah ben là, c'est un truc de malade, ça. Ah, on savait qu'on en avait déjà un depuis longtemps. Yankee, bonjour. Ah, il y a une route. Comme Juliette, Alpha, Alpha Yankee, bonjour. Ok, il y a une route. À bord, en provenance de Bron et à destination d'Arcachon, Lima Fox Charlie Hotel, à 4500 pieds, 1017 au QNH et transpondeur 7000. Monsieur Fox Alpha Yankee, vous affichez 1210 au transpondeur, le QNH 1018. Alors voilà quoi ça ressemble Alpha le navigateur. 1210 et 1018 au QNH. Voilà. Le doigt, celui-ci, la carte. Bonjour, montez au 135 pour achetage de l'aréole. Bravo papa, bonsoir, montez niveau 135. On va pas avancer le bleu, ça y est hein. Au 135, ouais. On rappelle en avant de larguer, bravo papa. Là, progressivement là. Ah oui. Ah, c'est une info des Fox Y-Rex, donc c'est ce mouton, pardon, c'est la fréquence, c'est une petite minute pour écouter la tête d'agent, s'il vous plaît. Fox Y-Rex, Québec, vous pouvez quitter et rappeler de retour. Ok, on passe au-dessus d'une petite ligne de tension. Ouais, indiqué dans la carte... Ok, c'est bon, Phil, là, on passe bien... on passe bien en dehors de la mer. Parfait. Juliette Bravo, X-Oscar, dans Zandarno, satisfaction de tous ces nobles. Une personne à bord, QNH 1018, 2000 pieds, en transit côté jusqu'à La Rochelle. Voici Oscar pour un suivi d'information. Succès Oscar, le transpondeur 1230, QNH 1018. 1230 au transpondeur, QNH 1018, ouais. Succès Oscar. Il ne faut surtout pas prendre de gîte à droite, parce que sinon, on va la tangenter vraiment. On est pas mal là, non, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, voilà. Juliette, nous sommes traversés là pour tout c'est plus à gauche qu'à droite. Delta Juliette, c'est approuvé. Le largeur de para à Royan est peut-être... Ça y est, je vous disais que c'était une partie du vol. Peut-être visite de... Visuel, bon, ça c'est... Delta Juliette, 7000... C'est moyen d'un score. Au revoir. Ouais. Après Toulouse, ça sera mieux parce qu'on aura la montagne noire à gauche et les corbières à droite. Ouais. Après on va arriver mais sur le littoral, bon on aura une info du Fox le panorama beaucoup plus agréable. Là ici c'est plat comme la mer. Très bien avec Québec, vous approchez de la j'imaginais pas que c'était aussi plat par ici. Ah ouais le Gers quoi. Transpondeur 7000, au revoir. Dans 3 minutes on passe au-dessus du autoroute. Transpondeur 7000, Fox Extra Québec. Là tu fais beau, au fond tu vois la chaîne des Pyrénées mais là c'est tout brumeux. D'accord, ouais. Là on passe à 500 mètres de la zone R quelque chose là. Quand je dis 500 mètres, c'est pour dire proche, hein, parce que je sais pas à quelle échelle elle est cette carte. D'ailleurs, finalement, c'est un truc qui manque, ça. Ah, d'accord, ok, on a un Patinaville là. Ça s'appelle... Cap... Je sais pas quoi. Captieux. En tout cas, on a un bon vent arrière, là, ça nous fait du bien, là, ça nous fait gagner du temps. Ouais, c'est ça, Captieux. Approach, c'est 368 Alpha, which is okay, 2 minutes, 3 minutes d'autoroute. On gagne une dizaine de nœuds, mais bon, 10 nœuds, c'est tout ça gagné. Identify, Temple, level 140. Level 140, 368 Alpha. Donc,
1807 Condon, ça fait dans 7 et 3 dans 10 minutes. 10 minutes. Ah, il y a un truc qui m'échappe là. C'est vrai que souvent on parle de la Creuse, tu vois, ou la Corrèze, des endroits paumés. Bon, bah ici je suis désolé, quand t'habites là... Ouais. Ah oui, c'est d'accord, ok. C'est pas mieux, hein. Ah ouais, ouais. Bon, ça peut pas être 1807 Condon, puisque moi j'avais pris par rapport au top départ, mais c'est complètement faux. Ah oui. Condon, je vais te donner la distance exacte. Attends, non, me dis rien, je vais essayer d'abord de deviner. Ah. Bah, de toute façon, SDVFR, il me dit qu'on est à 18 minutes, là, à peu près. Donc, je sais où on est à peu de choses près. Je vais prendre ma petite règle, si je la retrouve. Hop, perdu. C'est incroyable, il y a encore des peines des Landes, encore, de ce de temps en temps. Verticale autoroute. Ok, très bien. Alors, verticale autoroute. Le long ouais, ils sont en train de peler le terrain, là. Ouais. On est à 34 nautiques. On fait du combien là? On fait du 110. 110? Bah dans un peu plus de 15 minutes, 17, 18 minutes, 17 minutes, allez. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, par rapport à SDVFR, c'est de l'ordre de 17 minutes aussi. 16, 17 minutes. Il te dit quoi ton GPS? Bah il me dit pas le temps. Il me dit 34 nautiques. Hein. D'accord, bon bah ça 34 nautiques, c'est ce que je viens de mesurer, ouais. Ouais, ma règle elle est bonne, ma règle. Bon, alors. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Par contre, on voit que devant, là, il y a des nuages, le ciel il devient blanc. Ah ben, disons que ça y est, le ciel bleu, c'est fini, on le verra plus. 404 Québec Echo, descendez 3000 pieds avec une H1018, autorisé approche R905. C'est la fameuse couche à 8000 pieds. 1018, autorisé approche R905, 404 Québec Echo. Alors, justement, la TEMSI. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, TEMSI, bon, ouais, donc on est passé dans celle qui est Broken Overcast de 4 à 6 000 en SC, un peu cucu. Is it 36 8 Alpha contact Bordeaux 133775, goodbye. 133775, so just an Alpha vibe. Hop. Passe à 15 minutes sur destination. Ah, ouais. Pardon. Ok. Existe SDVFR. Bon, c'est pas super passionnant, hein, là. Ouais, non, mais on le savait, hein, cette zone-là, de toute façon, faut la faire. Hein. Donc là, on va passer au-dessus d'une R46 Alpha de surface, alors non, de 800 ou surface. À 2100 pieds. Good approach, good afternoon, fraction 599 Romeo, we're on a short air force base, departure passing altitude 6500, climbing flight level 70. Fraction 599 Romeo, bonjour, climb flight level 140. Climb flight level 140, fraction 599 Romeo. Attends, il y a une route là. Ouais, on passe au-dessus d'une route. Il y a une route là. J'ai pris un top moi pour l'autoroute là. Non, c'était 58 je crois. Bravo papa, le largage est approuvé, rappelé en descente. J'ai approuvé, j'ai rappelé en descente pour papa. Moi j'ai le config qui commence à flotter là. Oh putain. Donc 17h58 plus 15, ça ferait 18h13. Donc normalement, on devrait être pour 13. Bon, mémoire top et bon. On est à quelle altitude là? 18. 1800. Fraction 5, Nano Romeo, direct Trésor. En fait, bah, pas
52, c'est la période longue, là, il n'y a rien qui se passe. Par contre, après, ça va s'enchaîner. D'accord. Parce que tu vas voir, quand je vais allumer la tablette à ce moment-là, en fait, à partir de Condo, on va passer vers le village de Florence. Et juste après, on a le point d'entrée de Blagnac. Et là, ça va tout, ça va s'enchaîner. Hein. D'accord. Fox Charlie Yankee, jour 65. Ça, ça va être super intéressant. Également, maintenant, on est ministère de la radio. J'arrive à la minute de la sortie de votre SIV. Est-ce que je passe avec Pyrénées? Voilà, bonne idée, Charlie Yankee. C'est plutôt Biarritz, là, hein, là où vous êtes. Et transfond de 7000, au revoir. Bonne idée avec Biarritz. Oui, plutôt oui. merci et bonne journée, monsieur. Actuellement 76.9 kHz, dans 5 minutes. 5 minutes pour changer. Ouais. Bonjour Top 649 Kilo Hotel, identified temple at level 140. Channel 140, Top 649 kHz. Et là t'as plus de point de repère avec Blainville, là t'as plus rien du tout. S'il y avait une route assez rectiligne. Ok, c'est l'information, ça n'est 406, bonjour. Bon après on aurait pu, si on avait voulu, pardon, si on avait vraiment voulu la jouer. Au départ de Pellegrin, destination de Poitiers, 5 personnes à bord pour bénéficier de l'information de trafic. Regarde. Ici, t'as le bord. Eh bien, vous êtes identifié QNH 1018. Ah, non, parce qu'il y en a deux, il y a Agen et Toulouse. Agen, ouais. Il y a le bord d'Agen, là. Et tu vois, on prend Condon, nous. On aurait pu prendre le bord d'Agen. Alors, il est sur quelle fréquence? Climb for level 190. Tu nous donnes la fréquence du bord d'Agen, Pascal? Yes, hein, quand je sais où je l'ai trouvé, enfin où il est. Agen, c'est quelque part sur notre gauche, on est d'accord? Ouais, ça y est. C'est au-dessus de Condon. En gros, à droite. Ouais. AGN, ça y est, Agen, AGN, 114-8. 114-8. Donc là, on va mettre 114-8. Là, tu vas voir, lui, il va bouger. Donc il s'appelle Agen, mais il est plus près d'un aérodrome qui s'appelle Beaumont, tu sais. Il y a 20 nautiques déjà. Ouais. Donc tu vois, Agen il est là. Nous on va vers ce point, on doit être par là à peu près. Ouais. On doit être sur un radial 280 à peu près, je dirais, non? J'allais te dire 280-290. Voilà, regarde, tu vois. Donc c'est cohérent. Voilà, exactement, on est actuellement, ça bouge en permanence, mais on est quasiment à 280. Donc ici tu prends un trait. Tu tires 280, tu tombes là, tac, donc on est par là. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de radio-navigation. Ouais. On aurait pu faire un direct sur le bord en utilisant lui. Ouais. Et une fois qu'on était au bord, on prenait un radial pour aller chercher le point Whisky Hotel. Il y a Whisky Hotel, après on fait le transit. D'accord. Voilà. Phil, on aura une route assez importante, on va dire, pour... Et ça signalera qu'on sera très proche de Pyrénées. Ok. On va quasiment la couper perpendiculaire. Alors, voilà, pour entrer dans la zone des Pyrénées, qu'est-ce qu'on prend comme radial par rapport au bord d'Agen? Alors, attends, l'autre, il s'est perdu l'animal, là. Le principe, c'est qu'on avance, tu vois? Ouais. On va sortir des zones d'Aquitaine pour entrer dans la zone de Pyrénées. Ouais. Ce point fait qu'on passe d'une zone à l'autre. On a un bord ici. Ouais. Le vent, on va regarder quel radial il a. Ouais. On va le régler ici. Dès que l'aiguille sera centrée, dès que ça veut dire qu'il faut changer de fréquence. D'accord. Bon, alors, on a une route. Ça pourrait être celle-là. Hein. Donc, en gros, on est quasiment sur le point de passer sur Pyrénées, là. D'accord. Ouais. Je vais appeler Aquitaine, on verra bien. Hein. C'est excessivement probable. Aquitaine, Fox en novembre. Le problème c'est qu'on est tellement loin, c'est même plus sûr qu'il nous capte tellement. Aquitaine, Fox, Tango Novembre. Voilà, il ne reçoit plus. Ouais, d'accord. Super. Et Pyrénées, tu m'as dit c'est 126-525. Ok. Après, il y a des zones qui sont tellement vastes que les autres trafics, tu les entends pas parce qu'ils sont à l'autre bout. Ouais.
On est dans Pleineville. Il est derrière à gauche, là, c'est des routes de feu, c'est ça là? Bah, excuse-moi? Des espèces de routes grisâtres au sol là. Enfin, ouais. Le sable là au sol. C'est des espèces de coupe-feu, c'est ça? Ouais, enfin, dans les Landes, c'est plus marqué parce que on dirait des autoroutes, si tu veux. Ouais. C'est beaucoup plus large. C'est large et ça fait des kilomètres de long, quoi, si tu veux. C'est des zones... Ouais, là, c'est des grandes lignes droites, voilà. Impressionnant. 128.8. Let me enter into Delta airspace, Sydney. Tower, 124.15 to enter 604. Bon, on est en train d'entrer dans Pyrénées, là, je crois. Bonjour, je suis Pyrénées Information. Le service d'information de vol est fermé. Contactez Pyrénées Approche, 128.8, seulement pour pénétrer un PMA de classe. Super. C'est fermé, quoi. On tombe sur ce qu'on appelle un RAI, Repander Automatique d'Information. D'accord. Donc Capi pourra appeler, et puis t'as un disque qui te dit c'est fermé. Revenez un autre jour. Et si c'est urgent, appelez notre fréquence. Et quelle autre fréquence t'as dans ces cas-là? Ben, te la donne la fréquence, hein, qu'il faut appeler en cas d'urgence. Ah, okay. Mais là, ce qu'on va faire... Alors, attends, il faut une carte, là, quand même. À part Pyrénées, qui c'est qu'on peut appeler? Alors, à part Pyrénées, on a des TMA classe D de 1000 surface, c'est TMA Marsan, jusqu'à 3000. Ah ben, ouais, on est en train de les tangenter, là. Ben non, on passe à côté. TMA Marsan, non. On a une autre classe D TMA Marsan, mais ça va partir de 3000. Ouais, mais plutôt vers Toulouse, à ce moment-là, on va passer avec Toulouse au pire. Hein. Parce que là, on est vraiment en train de tangenter la classe D, tu vois. On est dans le coin supérieur gauche. Ah ouais, c'est... La classe D de qui? Marsan. On n'y est pas dedans. Bon. Techniquement, on est passé dedans sur 500 mètres, peut-être. Coin supérieur gauche, quoi. Ok. Ouais, enfin, supérieur droit plutôt. Mais complètement loin et totalement éloigné des axes. Aquitaine, Fox Tango Novembre. Bon, bah comme ça c'est réglé. Alors, Non, il n'y a personne d'autre là. Attends, t'as le SIV... Ah bah si, tiens, t'as le SIV de Toulouse. Alors, attends, j'essaye de le deviner là. 121-250. Ah oui, d'accord, ouais. Là, on le connaît. Celui-là, on va le garder jusqu'à Carcassonne là, demain. Parce que là, en fait, ah non, on n'est pas dedans encore, ok. Donc en fait, on est entre les deux SIV, là. Ouais, ouais, le Pyrénées, on l'a un petit moment, mais je le capte pas. En fait, si, on le capte, mais il est fermé. 625, c'est encore le même. Donc c'est Mike Bravo, on approche le Sierra, ça pour continuer. C'est Mike Bravo, vous pouvez mettre 7000 transpondeurs et appeler Nuré, au revoir. Donc, on est à 3000. Fox Tango Novembre, bonjour. Ça fait un plan mensonge répété. Fox Golf Bravo Tango Novembre pour le SIV de Toulouse. Fox Golf Bravo Tango Novembre Toulouse Info, bonjour. Bonjour madame, Fox Tango Novembre, Cessna 172 en provenance d'Arcachon, à destination de Toulouse Lasbordes, actuellement à 1700 pieds. On effectue une route à destination, enfin, verticale de Condon. On n'a pas pu rappeler Aquitaine Info pour les quitter. Ils ne nous reçoivent plus. Donc est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez les joindre pour pas qu'ils s'affolent? Ouais, c'est un fond. Alors c'est un roulement. Alors là, je viens de vous voir, en fait, vous n'êtes pas dans mes espaces. Là, vous êtes chez Pyrénées. Firme, mais Pyrénées est sur RAI. Donc, répondeur, donc dans comme on vient chez vous. On anticipe pour avoir quelqu'un en fréquence, si on doit faire un appel de détresse, on n'a personne à qui appeler. Quand en novembre, bien écoutez, restez sur ma fréquence, affiché 70-40, donc c'est avec Aquitaine que vous n'allez pas poser. Voilà. Affirme, en quittant Arcachon, on a passé avec Aquitaine Info, et quand on a voulu les quitter pour passer avec Pyrénées, ben, ils ne nous captaient plus. D'accord, c'est copié en novembre. C'est gentil, merci madame. En fait, elle va leur téléphoner, voilà. À gauche, Condon. À gauche, Condon, d'accord. C'est déjà la ville de Condon, hein? Ouais, ouais. D'accord. Ah ben le terrain, il est vachement loin de la ville, d'accord. Il est où le terrain? Alors, Condon, à droite, à 1 minute. On n'y est pas arrivé, il est deux... Je pense que c'est l'espace vert clair, là-bas, peut-être. Ah oui, là-bas, d'accord, ok. 1 minute devant. D'accord. Ah, ça y est, j'ai récupéré le... alors lui, il dit 5 minutes, lui. Un peu tard, ah quoique.
Donc après on n'était pas sous plan de vol, hein. Sous plan de vol, si le, c'est le, lui te fait passer avec celui suivant si tu veux, le contrôleur ouais. suivant. Donc si ah, ouais. le passage ne se fait pas, il faut absolument qu'il soit alerté. Parce que lui, sinon il a une procédure, il doit déclencher... Non, c'est pas contrôle, c'est Mazon. Mazin. Là on n'était pas sous plan de vol, donc normalement Aquitaine il va pas trop s'affoler. Ouais. Néanmoins, par courtoisie, je préfère qu'elle l'appelle. Hein. Là tu dis bon, ton tango novembre, c'est bon, c'est moi qui l'ai pris en compte, tu vois. Je comprends. Je corrige, c'est Mazin qui est à notre gauche. D'accord. Et une petite ville. Après il y a toujours des. Hein. Comment on appelle ça des. Après c'est pas de la réglementation, c'est du savoir-vivre aussi, quoi. D'accord. Bon, on voit que ça devient brumeux, tu vois, c'est. Bonjour. Mais c'est pas inquiétant si tu veux. C'est vrai que. C'est nous qui l'appelle là. Non. Bon. En fait, c'est par rapport à tout à l'heure, on perd la visibilité, mais ouais. on a peut-être 20 km, donc c'est pas... Il n'y a pas d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais moi je parle. Fox, c'est pas novembre, uniforme, bonjour. Ça, c'est des météos qui sont pas inquiétantes en soi. La perte de visibilité, elle est pas inquiétante, parce qu'il n'y a pas de pluie annoncée, il n'y a pas de... Fox, novembre, uniforme, tous les infos, bonjour. Voilà. Oui, bonjour madame, le Fox, c'est novembre, novembre. Parce qu'on a fait l'autre jour où il y avait des nuages, il y a un risque d'IMC, là oui, il y a gravité, parce que... De ce coup, tu peux perdre la visite. Là, on voit devant, donc attends notre diète pour voir ce qu'il verra après. Ouais, on voit devant, on voit tout autour. Exactement. Ouais. 17, rappelez fin de travail. Eh bien, 17, on va passer sur la ville de Condon, et on monte à 3000 pieds. Le village de Condon est devant. Et affiché 70-41. Et le terrain sera certainement 10-41 devant mon uniforme. Là, on est au pays du foie gras, du magret. On est à 3 minutes. On a le village devant. Je vais le passer un peu à droite pour que tu puisses le voir de ton côté. Ouais. Hop, 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 hop. Mais là, je pense que tous ces vols, c'est vachement... en termes d'apprentissage, là, t'auras vu... La totale, là. Ah ouais. Enfin, la totale certainement pas, mais... Un bon éventail de vols, quoi. C'est bon, on aura pas fait des vols de beau temps, tout le temps. Bon, d'ailleurs, ce sont du mauvais temps, mais bon. L'altitude par ici, elle est de l'ordre de 600. D'accord. Mais c'est certain que quand t'es pas habitué, bah, tu vois, là, typiquement, tu dis, ouais, la visibilité est bonne, machin. Ouais, moi, je perçois que ça se diminue. Je suis incapable d'analyser si c'est bon, si c'est pas bon. Après, tu peux déterminer la visibilité. Ah, ben, c'est Condon, ça. Voilà, c'est la ville de Condon. Tu peux déterminer ta visibilité en disant voilà quel est le dernier point que je vois. Ah c'est la colline là-bas. Quelle heure il est? Toc, je mets le chrono. Ben, je vais arriver vertical, top. Putain j'ai volé 7 minutes à 200 km/h. Putain mais ça me j'ai une visite de 20 bornes. Allez c'est bon. Ouais mais c'est voilà, c'est simple. Bon puis on a pris la météo, on part pas en terrain connu. On a eu le prévisionniste, on a eu tout ce qu'il fallait, donc il n'y a pas de souci quoi. Condon, c'est où ils avaient tourné le film Le bonheur est dans le pré. Ah c'était là, ah oui, avec Condon. Michel Serrault et... Ah oui, j'adore ce film. Et Eddie Mitchell. Oui, il y a une espèce de bâtiment cubique là. Ah, au niveau de l'église, non Au niveau de la flotte. Par contre, il a dû pleuvoir quelque chose de mignon. Parce que dis donc, l'eau elle est marron. Hein. Ouais. Vous avez vu, il y a un château là-bas au bord de l'eau, on dirait. Hein. Ah ouais, c'est de ça je parle. Ah pardon. C'est plutôt une usine, mais... Ouais, ou un... Ouais, plutôt, ouais. À mon avis, c'était plutôt une usine, ça. Donc là, on tangente Condon avec une grosse église. Et on va avoir le terrain sur notre gauche dans quelques secondes. Droite. De droite. À droite, hein? Ouais. À droite. Hein. Oui, tu as raison. Olé. Normalement, je devrais bien le voir, moi, le terrain à droite. Là, il est dans notre aile. Hein. Je pense que c'est le terrain vert à que tu as à droite. Ouais, à 30 secondes, là. Avec les hangars. Il est là, le terrain. Il est à droite. Ah oui, d'accord. On voit les hangars, là-bas. Ouais. Ouais. Ouais, bah alors là, je vais te dire, il faut voir l'habitude, non. C'est clair. En fait, les aérodromes où tu as des pistes en herbe, souvent, ça fait des rubans d'une couleur différente des champs. C'est pour ça que tu le repères en premier. Et après, autour, tu vas chercher des bâtiments type hangar. Ouais.
Et hop, après tu localises le terrain comme ça en fait. La seule difficulté c'est quand t'as des champs qui ont la même couleur que la piste. Alors là. Et là c'est un petit peu le cas là. C'est ouais, tu pourrais le prendre pour un champ effectivement. Hein. Bah, disons qu'il est juste un peu long. Mais ouais, là, là tu vois les marquages au sol, mais en bout de piste. Donc là on est à quelle altitude j'ai vu tout à l'heure, 1800 c'est ça, un truc comme ça? Ouais, exactement. Et là j'ai dit qu'elle était à peu près 600 pieds la hauteur du sol. Donc on est à 1200 pieds sol, donc environ 400 mètres. Là il y a une espèce de château d'eau abusant là. Ouais. Bon, j'aimerais bien qu'elle marche, putain, mais cette tablette de merde, tu vois, comme quoi. Alors, il n'y a pas de tortillé quoi, il n'y a que des trucs aéronautiques. En termes de navigation, il est 17. Hein. C'est abominable ce machin là, quoi. Rends-moi ça quoi. Elle a décidé de me faire chier, hein. Ben, ça marche dans la chambre d'hôtel, mais dans l'avion ça marche pas quoi. Quelle plaie quoi, je te jure. Moi. Florence dans 9 minutes. Ouais. Donc le top, on vient de le prendre. Le cap, il va nous le dire. Le gyro, il a été vérifié. L'altitude, on la garde. La radio, il n'y en a pas. Le radio nav, on s'en fout. Les paramètres moteurs sont dans le vert, n'est-ce pas? Ouais. Bilan carburant, ça fait... Il est 17, j'avais marqué un top moteur à 17-14, mais un départ à 22. D'ailleurs, on va dire ça fait une heure, on était parti avec 4:30, il reste 3:30 d'autonomie. À la louche, hein. Hop là. Monsieur, l'instructeur Philippot, la tchèque, elle était bonne? Bah quoi? La tchèque point tournant. Ouais. Eh ben putain, mais sans déconner quoi. Quel merdier ce truc là. Alors. Gauche, voilà. Whisky Hotel, je vais chercher Whisky Hotel moi. Hop. Ah bah dis donc hein. Et là on est en train de prendre de la gîte à gauche. De la gîte à gauche. Pali papa pali papa palalou papou papou pim pam. Il est pas rassuré Hein? Ça va? Non, ça va, non, ça va, pour le dire, hein. Non, je suis calme, tranquille. Tiens, regarde, t'as un joli joli pylône à droite, là. Ben, regarde les petits villages. Montre-moi ton air calme et serein, Jean-Luc. Bon, un peu foncé, faudrait éclaircir l'image. Contraste. 17. 17, 27, ça fait 26. Hop là, 26, c'est en bleu. Donc c'était juste un repère visuel, hein, Florence. Donc en fait, on va passer juste au sud de Florence, à très très proche. Hein, et on va passer vertical, mon top, ça sera la verticale de la voie ferrée. Et suivi d'un cours d'eau. On va aller chercher le point Whisky Hotel hein, pour l'instant. Bon, Tormac Hotel, vous quittez le SIV de Toulouse. 7000 au transpondeur, vous pouvez quitter, au revoir. Bon alors, super TV, t'as mal au fait. Transpondeur, on quitte. Au revoir, Tormac Hotel. Bon. Ah bah putain, mais c'est pas possible ce logiciel. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Pourquoi. Hop là, on peut tirer. Oui. On va dans la mélasse. Non, non, c'est bon. C'est dégueulasse. Ah oui, ça c'est dégueulasse, ouais. Putain, mais pourquoi j'ai pas accès au menu? Putain, mais ça me gonfle ce truc, là. Oh, c'est bon. Y'a plus rien indiqué sur ton GPS? Ouais, mais alors dis donc, je te dis pas. Hein. Ça, je me suis servi de cette tablette, je m'en servirai plus jamais. Hein. C'est vraiment une belle merde, ce truc. Hein. 2000 pieds, on a quel cap, là? On est au cap 100. 100. Ouais. Ok. Cap 100. Alors c'est vrai que pour naviguer en Aquitaine, les points de repère n'ont d'une pipe. Hein. Ouais. Oh la vache. Là-bas, il y avait un pilote, mais il était vraiment pas haut, donc il est pas indiqué.
Alors, l'altitude de sécurité ici, on serait à 1300 pieds. Au niveau de le transit, on a dit c'est Whisky, Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta. C'est la verticale, hein, c'est ça. Alors, on a dit Whisky Fox, Whisky... non, Echo Bravo, après tu m'as parlé. Whisky, non, Whisky Hotel. Le premier pain, ça va être Whisky Hotel, là. Whisky là, ça doit Hotel, être Florence ouais. qu'on traverse, là. Sur la gauche, Florence. Hein? Attends, ben je sais pas, je vois pas. Non, pour moi, Florence, ça doit être là. Ah, mais c'est bien possible. Ouais, ouais. ouais. Ça me paraît un peu tôt, en fait. C'est trop tôt? Par rapport au top, ouais. D'accord. Maintenant, j'ai pris de vitesse, enfin j'ai pris par rapport au log, hein, je prends pas en compte la vitesse réelle. Hein. Ça me paraît effectivement probable que ça soit... Est-ce que tu vois une voie de chemin de fer? Putain, mais tu sais qu'il me gonfle ce putain de GPS, hein? Oh, dis donc. Florence, c'est une ville jaune. On a une voie de... Merde, c'est où ça? Ah, voilà. On doit avoir une voie de chemin de fer qui passe. On devrait pas vraiment être dessus, en principe, hein. Parce que des vidages dans le coin, il n'y en avait pas des tonnes en fait, c'est pour ça que j'avais pris ça comme repère. Là je file droit sur le point d'entrée de Blagnac là. On y est dans 10 minutes, hein, ça va arriver vite. Hein. En tout cas, je vois pas de voie de chemin de fer. Moi non plus. Moi non plus. Enfin si, il y en a une, mais elle est déposée, regarde là-bas. Ah oui, 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 madame. En fait, je vais te dire, avec les lunettes de soleil, je vois mieux que sans. Parce que ça polarise un peu plus. Sans les lunettes de soleil, ça fait une tache blanche. Sans les lunettes, il est 23. C'est pour ça que je vois à travers. Plus de contraste et donc t'as plus de... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'y vois mieux avec. Bah, j'y vois mieux, c'est pas non plus la vision nocturne. Hein. Bon, on va le chercher où ce qui est tel, 10 minutes. Hein. Un peu plus sur la gauche, hein. Voilà. Où est ce qui est tel, il y avait marqué 13 minutes sur le log. Toc, voilà. Le rang, j'y suis dessus. Donc il était 23. Hop là. Et devant, ça continue à être grassouilleux. Ah ben là, je crois que jusqu'à l'arrivée, ça va être comme ça. Ouais, ah ben, c'est clair, ouais. Par contre, il faudra que tu me donnes... Ouais, alors attends, j'ai dit qu'il était 23 en réel. On a la carte vague de Last World pour se la remémorer. Ouais, je te la donne. Parce que là on a 10 minutes devant nous, je te la reprendrai encore après. Hein. Ouais. Alors, en fait si tu veux, on va traverser les pistes de Blagnac. Ouais. Blagnac si tu veux, elles sont là les pistes, où il y a bande dehors. Okay. Donc on va débouler au point Echo Alpha. Ouais. On aura traversé les pistes de Blagnac. Et Last Board est là. Ouais. Donc il y a deux solutions. Soit le contrôle il va nous envoyer là-haut. Et après on ira là. Après ouais. on ira là ou là. Ouais. Ou le contrôle va nous envoyer là pour se poser là. Parce qu'en priori on va se poser. On va devoir manquer une route ensuite pour rejoindre Last Board. Alors écoutez, on aurait souhaité un transit Whisky Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta avec une verticale de LFBO si c'était possible. Et puis à l'issue, on sera à l'écoute du contrôleur pour savoir quel point suivre pour s'intégrer sur l'aérodrome de Last Board. Reçu Tango Novembre, je vous rappelle pour le transit. C'est gentil, merci beaucoup madame. Elle va demander à la tour s'il nous accorde le transit. Ouais. En gros c'est ça l'idée quoi. Alors quand le temps est brumeux comme ça, j'aime pas trop voler trop, c'est pour ça que je reste pas dessous. Ouais, ouais, mais je comprends. Parce que si tu montes et que la brume passe en dessous, ah, pour le coup t'es comme une cèpe tu vois ouais, ouais, ouais. C'est que de la brume en redescendant tu reverras. Et comme là il y a de la brume horizontale, il faut voir le sol en permanence. Là ouais, là il n'y a pas de hauteur possible là. Voilà, pour ça que je reste à cette altitude ouais. D'autant que le transit qu'on va faire à Blagnac, on va pas le faire bien haut hein. Je pense qu'on va le faire à 700 pieds ou 1000 pieds max hein. Parce qu'il y a les gros qui tournent autour hein. Ouais. Donc ça s'arrête d'arriver haut pour descendre comme des tarés, ça n'a pas de sens. D'accord. Là on a 2000 pieds, ça bouge pas. Pas la peine d'aller se mettre dans des trucs, tu vois, des courants à la Morvoile 2 quoi. Bon là je me suis un petit peu, faut que j'aille chercher Whisky Hotel, tu vois. Le point d'entrée il est là. Et là ce que tu vois le pré, c'est ton axe. Voilà, je pense que tu prends beaucoup de gîte à gauche quand même là. Par rapport à la trajectoire initiale. Faut voir qu'on a 20 nœuds dans les fesses, hein. Ouais, ouais, sans afficher, ouais, ouais.
120, hein. 120, oui. Là, voilà. Tu vas te retrouver un peu trop au nord de Whisky, de novembre Whisky. Là, j'ai l'estimé, je suis pile poil dessus, si, a priori. Ah bon? Ah, d'accord. D'après la tablette, hein. D'accord. Ah, il doit y avoir peut-être une méchante dérive, hein. Bon, vous direz plutôt de l'inclinaison, surtout. Google Bravo Tango Novembre affiché 3470, transit approuvé. 3470, transit approuvé, Fox Tango Novembre. Bon, oh, ben c'était ça. Et j'avais un doute sur le chiffre. Hein. Bon, quand j'ai un doute, j'énumère. Hein. C'était ça, j'écoutais. Ok, super. Bon, donc la tour de Blagnac nous attend. Donc on va passer avec la tour de Blagnac. Est-ce que tu as une idée de la fréquence ça m'évite de la chercher. Alors, Blagnac, c'est le gros aéroport, Blagnac, c'est voilà, ça. Voilà, tu devrais l'avoir sur le OACI. Ça serait du... Oh putain, c'est quoi ça? Alors, attends, je dois l'avoir sur le tien. Merde, les fréquences. LFBF. LFBO. LFBO. En tout cas, ça bouge pas, c'est agréable quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça va mieux que tout à l'heure. Plus calme que tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, ouais. Tout à l'heure, j'étais pas à l'aise. Non, mais t'as raison. Par contre, pour piloter, pour moi, ça fait du 118. Hein. Pardon? 118 unités. 118 décimales unités. Ben, merci. On va pas la donner, mais. Moins ça. Ouais. Non, rien de truc normalement. Alors, ouais, c'est ça normalement. Bon, bah ça éclaire pas des masses, hein. Et ouais. C'est, ça joue certains trucs, là, mais... Ouais, bah alors c'est peanuts, hein. L'éclairage, il est à chier, quoi. Hein. Ouais. Ah ouais, normalement, c'est là... là tu règles la formation du Fox Island qui vient de rebonjour. Ouais, là, je sais pas où ça joue, mais... Fox Yankee Juliette, rebonjour. Fox Golf Tango, Yankee 20 TVV en provenance de Roche à destination de Muret, deux personnes à bord actuellement 2500 pieds pour bénéficier de l'information de vol. C'est Yankee Juliette, affiché 70-40 au transpondeur. Je peux te dire, demain si on a ce temps pour partir jusqu'à Carcassonne, c'est pas grave, hein, faut pas pleurer, hein. Ouais, on est à 7 minutes de Fox. On verra demain. Voilà. Moi je suis à 4 minutes à peu près de Whisky Hotel. Ah. C'est bon? Oui c'est ça ouais. Je l'avais pas vu, il y avait le marqueur qui était au-dessus de Whisky Hotel ouais. Bon c'est rigolo parce que devant ça fait tout gris, tout fin, c'est brumeux, ouais. Juste devant. Et si tu regardes à droite ou à gauche, c'est plus net. C'est rigolo c'est, quand même. C'est clair sur les côtés et pas devant. Foncer devant, ouais, mais bon. Alors que la brume qui est devant, elle est aussi sur les côtés de toute façon. Ouais ouais, ouais t'es dedans donc. On a une perception différente en fait hein. Après, oui, mais ça fait un bout de temps que c'est comme ça, donc... Ouais. Parce que mon réflexe, effectivement, ça a été de regarder... Ouais, ok. Alors, Whisky Hotel de mémoire, c'est un relais herzien. Marqué sur le log, c'est un relais herzien. Sur le log, ça doit être marqué. Ah. Juste pour qu'on cherche au sol, quoi. On y est dans 3 minutes. Whisky Hotel, lac de Bordette, forêt de beau machin truc. C'est marqué dans les commentaires, tu le vois? Bah en dessous de Whisky Fox, il y a marqué lac de la Bordette. Non mais nous c'est hôtel, l'entrée c'est hôtel, ah, Whisky pardon, hôtel. Ah oui merde, hôtel, relais herzien, ouais. Donc à mon avis, le relais herzien c'est celui qu'on a devant. Tu vois où il y a la montagne? Un truc blanc là. Ouais, parce que dans 3 minutes, ça fait ça hein. 3 minutes, on y est, enfin voilà. Donc je pense que l'antenne blanche qu'on a devant nous, regarde, je suis en train de la tanker en plein dedans, au niveau du track. D'accord. Ah, des relais herziens, 6 mètres relais herziens, c'est pas une petite antenne de merde, hein. C'est le truc visible, ah, tu vois. Ah, c'est marrant, c'est pas écrit sur la vague. Ce que j'aime bien, c'est que les trois points sont alignés. Whisky Hotel, Whisky Fox, Whisky Delta. Il y a Whisky Delta, on sera au-dessus des usines de Airbus. Ouais. Où ils fabriquent les Airbus. Donc ils viennent, vous pouvez nous confirmer que la zone de sensor est inactive? On fera un virage à 90 degrés, on coupe les axes de Blagnac. Ouais. Et on arrive ici. D'accord. Et après là c'est inconnu. Merci. Inconnu sur ce qui va être proposé. Donc il faut se préparer à tous les cas de figure.
Moi je pense qu'on va se poser dans ce sens. Mais bon. Est-ce que tu peux nous redonner s'il te plaît, Pascal? Ouais. Les numéros de piste de Lasbord, s'il te plaît. Les numéros de piste de Lasbord. Ah oui, de Lasbord. Bah c'est toi qui as la carte. Hein, donc. Non, j'en ai qu'une. Ah oui, l'autre elle est derrière, merde. Je suis con. Hein. 1533. Le tour de piste, il est à 2000 pieds. C'est bien le relais hertzien. Ah ouais, tu vois, c'était ça. Où ça? Devant nous, là. Ah, devant. D'accord. Bah, quand ça, c'est l'habitude, tu sais, de naviguer. Tu... C'est pour ça que sur les logs, tu marques toujours ce que c'est le point. Relais hertzien. Bon, mais là, si tu le vises là, bah, il doit être devant nous, il n'y a pas de tortier du cul. Ouais, ouais, ouais. C'était bien ça. On a une double confirmation. Là, là et derrière, même le triple. Donc quand on va s'annoncer au Whisky Hotel, il n'y a pas de souci quoi. Ouais, ouais. On va essayer de l'attraper un peu pour le voir. T'as fait un pylône blanc en bas et rouge en haut. D'accord. Tu veux que je te le mette à droite ou à gauche? Ah bah à droite. À droite. Enfin c'est comme tu veux, le plus simple pour toi. Non, bon, bon c'est pareil tu sais. Bon. Bah disons que si tu me le mets à droite, il faut qu'on soit à 500 mètres à côté quoi. Ouais. Bah on va y être, on va y être. Hein. Surtout que mon chef pilote, il te dirait qu'il faut jamais passer vertical des points. Ah, oui. Ah bon. Parce que c'est un peu une zone de convergence de plusieurs trafics. Ah, donc le risque, c'est qu'il y a un risque de percussion. Si tout le monde passe au même point, au même endroit, donc il vaut mieux le décaler. Toujours passer un petit peu à côté. D'accord. Bon, là, on est tout seul en fréquence, donc il n'y a pas de risque qu'on percute grand monde. Hein. Ouais, là, c'est calme. Hein. Donc, je, pense, visuel. Je pense que l'usine Airbus, c'est ce que le gros paquet blanc là qu'on voit. Ouais. Fox Tango Novembre, on passe le point Whisky Hotel, 2200 pieds au QNH 1018. Monsieur Tango Novembre, le QNH 1017, et vous pouvez maintenant appeler la tour 118 unités qui a les éléments du vol. Au revoir. Écoutez, c'est très gentil, merci madame, bonne fin de journée, on appelle la tour sur 118 unités. Et à Tissot 32 avec Saint-Martin en auto-info, le répondeur 825. Tissot 32, moi je dégage de tout à Tissot 32 et je passe à auto-info Saint-Martin. Airbus 01 India Papa, autorisé option piste 32 gauche, dernier vent 240 degrés 10 nœuds et circuit rouge à l'issue. Et un point remarquable. Blagnac, Tour, Fox, Tango, Novembre, bonjour. Fox, Tango, Novembre, bonjour. Fox, Golf, Bravo, Tango, Novembre, Cessna 172, 3 personnes à bord libérées par le SIV en provenance de Arcachon à destination de Toulouse-Lasbord. On vient de passer Whisky Hotel 2200 pieds QNH 1017 pour un transit Whisky Fox, Whisky Delta, vertical de vos installations et puis passer par la suite avec Lasbord. Fox Tango Novembre reçu, faites route Whisky Delta, je vous rappelle pour le transit vertical et à l'issue vous prévoirez Echo Bravo, Echo Alpha. Whisky Delta, on maintient 2200 pieds et ça sera Echo Alpha. Ok, donc c'est ce qu'on disait. Ce qui veut dire après Whisky Delta, on ira chercher Echo Alpha. D'accord, voilà. Donc on peut préparer Lasbord 122.7. Donc là on met 122.7. Voilà. Alors Whisky Delta c'est un petit peu à droite, tu vois c'est même pas là les usines. Ouais. On sait que le tour de piste c'est 2000 pieds à Lasbord. Donc on l'appelle à descendre encore en dessous, s'il nous laisse à 2000 on le garde. Ouais. Sinon on va faire remonter, descendre. Ouais, ouais. Bon. Donc à la limite là on peut essayer de descendre gentiment à 2000, comme ça on sera déjà à la bonne altitude de tour de piste. D'accord. De Lasbord. Voilà. Dans 3 minutes on est au-dessus des Airbus. On peut imaginer que c'est ce qui est devant nous. Hein. Et en fait à gauche c'est bien une Airbus India Papa avec la tour 121 unité, à plus tard. 121 unité. À gauche, c'est où l'approche, pardon. À gauche. Problème, merci, tout de suite. À gauche c'est où ils fabriquent les A380. Ah d'accord, là c'est la piste de Blagnac qui est à côté de nous là-bas, elle est là-bas. D'accord. Et là c'est où ils montent les A320, A330 et A340. D'accord. Voilà, les 380 ils sont en face là-bas. C'est deux usines séparées.
parc de Blagnac à gauche. Hein. Ouais, ouais. Voilà, la tour elle est là. Donc c'est bien l'usine Lagardère à 380. Et là on va passer au-dessus des. Voilà, c'est Atutu Lima Lima, November 1, runway 3 to right, ready for departure. C'est Atutu Lima Lima, bonjour from November 1 and up runway 3 to right. La piste à service est 32. Donc vraisemblablement à Lasbourg, ça sera la 33. D'accord, on peut être cohérent. Ouais, c'est cohérent. Donc si c'est la 32, il va nous demander de passer vertical le seuil de la 32. Forte chance. D'accord, donc on peut déjà anticiper. Donc on va passer au milieu de la piste, mais on va passer au plus loin. Ouais, là je reconnais les hangars bleus de Toulouse. Ouais. Donc là, on rentre dans une zone où il peut y avoir du trafic. Donc on s'emmerde pas, on met les feux d'atterrissage. Comme ça, en plus c'est brumeux, de loin on le verra le phare, ouais. Tu vois. Ça, c'est pas mal de faire ça. Et comme en voiture, c'est voir et être vu. Donc on va arriver sur Whisky Delta. Après Whisky Delta, vous allez entrer en vente arrière. En vente arrière pour les pistes 32 là à l'ouest des axes et vous maintiendrez en fin de vente arrière, je vous ferai une info de trafic là d'un commercial en finale. Donc après Whisky Delta, on se reporte en vente arrière main droite des pistes 32, vous confirmez? Alors les pistes 32, ça va vous faire comme une main gauche, donc une vente arrière au sud-ouest du terrain. Main gauche pour les pistes 32, je vous rappelle avec l'information de trafic d'un appareil en longue finale 32. J'ai bien compris, merci monsieur. Donc on passe au Whisky Delta et on va se rapporter sur une vente arrière. Voilà, vous prévoyez maintenant entre... Il décolle. Easy 272 Whiskey, bonjour. Clear visual approach runway 3 to right, report short final. Clear visual 3 to right, call you short final, easy 272 Whiskey. Là tu peux pas le faire à Paris évidemment. Ouais, c'est là. Voilà, pas cadre. Bullet air 22 Lima Lima, red identify, contact to the approach 125.175, au revoir. 125.175, 22 Lima Lima, bye. Fox Tango November, vous me rappelez en vue d'un 319 EasyJet actuellement à 6 nautiques, 5 nautiques là qui s'établit en finale à vue piste 32 droite. Vous rappelez en vue d'un trafic en finale piste 32 droite, Fox Tango November, pour l'instant on n'a pas visuel. Ça c'est Franck Casal. Ah, c'est la question que je me posais. C'est l'équivalent du Bourget si tu veux. Ouais. Où ça? À gauche? Et Tango November, faites un 360 degrés de retardement par la droite là pour pas vous éloigner trop loin sur le long de l'axe. C'est bien pris monsieur, un 360 degrés de retardement par la droite. Ok, donc hippodrome en attente. Donc là on a le terrain de... C'est l'ancienne base militaire de... Ouais, c'est Franck Casal, c'est ce que tu disais, ouais. Ouais, j'ai pris un Transal une fois pour la Saint-Pierre-et-Miquelon au départ, là. Bah, là, maintenant, c'est devenu de l'aviation d'affaires, essentiellement. D'accord. Et une époque... Donc, en novembre, je vous propose de monter à 3000 pieds QNH pour le transit, parce que je vais avoir 4-5 finales d'affilée, là. C'est bien pris, monsieur, on monte 3000 pieds. Alors, on se fait... Please, the roof of the 9 Tango is 11 miles out, speed 180, ILS 232 left. The 09 Tango, bonjour, report short, final runway 32 left. Right Tango. Easy 272 Whiskey, clear to land, runway 32 right, wind 240 degrees, 10 knots. Ça nécessite quand même un peu plus de gestion de stress, hein, d'une certaine manière, hein. Mais bon, après c'est le plaisir de faire des trucs. Tango November, dès que vous avez atteint 3000 pieds et que QNH 1017, vous visez la verticale du seuil 32 droite pour croiser les axes. Une fois atteint les 3000 pieds, on vise le seuil 32 droite pour franchir les axes, Fox Tango November. On va les faire tranquille, hein, en la 300 pieds. Donc ça va se passer à gauche les usines Airbus Pascal, hein. Ouais, le toit bleu là. Voilà.
C'est excellent ça. Vraiment c'est excellent. Par contre là tu comprends sur le log de neuf pourquoi t'as des délais de d'attente ou des choses comme ça tu sais. Dans certains cas. Formidable. Ça y est, on est à 3000 là. Tango Novembre, une finale, un Airbus 320 qui est à 6 nautiques là, donc il est dans vos 2 heures pour 5 nautiques sur l'ILS. C'est bien pris Tango Novembre, on est stable à 3000 pieds QNH, 1017, on vise à le seuil de piste de la 30 de droite, un petit peu de brume en dessous, j'ai pas visuel. Ouais, reçu, donc à l'issue, une fois que vous avez croisé les axes, vous visez Eco Alpha. Une fois les axes franchis, on vise Eco Alpha, Fox Tango Novembre. Number 09 Tango, VFR traffic system 172 is crossing the axis overhead threshold 3 to right, 3000 feet steady. So in case of missed approach, you maintain maximum 2000 feet QNH 1017. Max 2000 to go around 1017, 9 Tango. And Number 09 Tango, clear to land, runway 32 left, wind 240 degrees to our north. Good land to the left, 9 Tango. Easy 272 Whiskey, contact the ground 1219, over. 1219, merci pour la droite. Easy 272 Whiskey. And so this is an Airbus India Papa, service 10 miles, 180 up, foot up. Airbus India Papa, bonjour, report, bonjour, gain, report short, final 3 to left. On le voit pas là, à droite. Et là-bas, t'as les 380 là-bas. Ouais, ouais, d'accord. Ok, vertical 32R là. Je vais annoncer les axes dégagés. Oh la vache, ce truc là-dessous. Tango, Land. 09 Tango, I confirm, clear to land 1-3 to left, wind 240 degrees, 12 knots. Land to the left, 9 Tango. And the VFR traffic is no longer a factor. Bon novembre, les axes sont dégagés, on vise Eco Alpha. Affirmez Eco Alpha, Eco Novembre à l'issue. Eco Alpha, Eco Novembre, merci beaucoup monsieur. Et Tango Novembre, pour descendre à 2000 pieds QNH. On descend 2000 pieds QNH. Le Beluga qui est en bas. Ah, le mec, ça lui fait du boulot quand même. Ah, bah, tu à Toulouse, vous avez la ville de Toulouse à droite. Hein. Ouais. Faire sans BFR, c'est pas courant. Hein. Bon, ça demande un peu de hein, préparation, gymnastique, mais bon, voilà. En fait, c'est un peu surtout de bien connaître la VAC avec les points et de savoir se reporter dessus exactement à la demande en fait. Exactement. Parce ouais. Qu'après, quand il dit du ça, tu fais ça en simulation sur Ivalo, tu fais ça 10-20 fois, tu viens ici, tu le fais dans le nez. Après, il y a le pilotage en plus. Ouais. Mais le point de report, les reports, les machins, c'est ça quoi. Là, on est vraiment dans du pur VFR. Hein. Parce que là, effectivement, c'est pas quand il dit qu'il faut aller sur Eco Alpha qu'il faut que tu cherches. Hein. Ah, exactement. Ah, ouais. C'est clair. Hein. C'est pour ça que tu vois, j'ai mis les cartes sous les yeux, j'ai tout sur moi là. Ouais. On peut pas me tromper. C'est excellent comme arrivée. Excellent. Non mais ce qui est bien c'est que tu. Enfin là, de bout en bout, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Ah oui, voilà. Bon, le mec là, il te demande d'abord de passer en hypo, puis après il te dit bon bah non, il va y avoir du trafic. Enfin, c'est clair quoi. Et il limite à 2000 pieds la remise des gaz des gros. Ouais. Pas qu'il nous tamponne, c'était une remise de gaz. Ouais. Fox Novembre, on passe Eco Alpha 2003 en descente 2000 pour Eco Novembre. Oui, Tango Novembre, passez transpondeur 7000 et quittez ma fréquence là si vous souhaitez appeler Lasbord plus tôt. Écoutez, on passe à 7000, on appelle Lasbord et c'est très sympa, merci beaucoup monsieur pour le transit. Au revoir. Allez. Lasbord, Fox Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre, c'est 972, 3 personnes à bord, provenance à Arcachon. Destination de vos installations, on vient d'être libéré par la tour de Toulouse-Blagnac après un transit de leurs installations. Actuellement, on fait route Eco Alpha, Eco Novembre. On va être stable 2000 pieds QNH en transport de 7000. Tango Novembre, donc vous passez Eco Alpha de la position, faites route vers les installations, entrée vent arrière 33, rappelez vent arrière. Fait route vers les installations, rappel vent arrière, piste 33, Fox Tango Novembre. Bon, ça, tu vois, n'est pas prévu, ça, tu vois. Ouais, c'est ça la merde. Ça passe jamais comme tu veux. Donc moi je vais taper Eco Novembre, il me dit vent arrière. Donc vent arrière, je vais aller chercher le point Delta Sierra quoi. D'accord. À 2000 pieds puisque c'est le tour de piste. Donc là il faut ouvrir le cardinal Solo en vent arrière pour un
premier ma numéro 1, rempli final 33. Bon, Lasbord, vous voyez la rocade à droite hein. Vous voyez la rocade ouais. Tu fuis la rocade, tu la suis mentalement. Ouais. Et au bout, t'as une espèce de flèche là, c'est la fusée arrière. Je vois. Et à gauche, la fusée arrière, il y a une zone de vert clair. Ouais. Il est là, Lasbord. Takeoff, slide up from the tree, class for takeoff, wind 250 degrees, 10 knots, maximum 15 knots. Il est là-bas à 13h quoi. Voilà, le terrain on est en vente arrière là, tu vois. Là on va couper la première autoroute. Ça c'est l'autoroute qui va à Albi. Cette terre dessous là. Normalement ça il faut pas que j'y passe dessus. Donc faut que j'aille chercher un coup à gauche. Et là c'est un peu chiant quoi. Non, à droite. À gauche, à droite, à gauche, allez. Là il y a plein de villages à éviter, c'est un peu la merde quoi. Là tous ces ronds bleus là. Ouais. Faut les éviter quoi. Alors tu sais, t'es pas du coin. Moi je suis né ici, je connais, mais enfin quand même, vu du ciel. Ouais mais t'en as un peu partout là. Ouais. Là j'hésite cette zone là. Voilà. Ok, visuel sur la fusée à nouveau. Voilà. Après le fait, tu sais, de faire une radio rapide, concise, pas trop hésiter ou quoi, le mec dit, bon lui il a confiance, c'est ce qu'il veut, il a l'air de maîtriser son truc, tu veux lui accorder. Si tu commences à pas piéger dans la semoule, le mec te dit, excuse-moi, mais non. Ouais. Parce que le mec ça lui fait du taf, hein, t'as vu, ouais, ouais, il a du trafic. Hein. Toi tu viens me faire chier avec ton coucou de merde là pour voir trois avions voler. Bon ben demain si on entend comme ça va le faire. Hein. Ouais. Et là on partira comme ça vers Carca et après Carcassonne ça va s'ouvrir. Hein. On est en vente arrière, piste 33, moins droite. Tango novembre numéro 2, le précédent Robin, milieu de base, rappelé final. Numéro 2, on rappelle en finale, 33, Fox Tango novembre. Alors le terrain il a quelle altitude là? 460, ok. Tu vois, le circuit, t'as vu comment il est? Comme je disais, il a une forme d'une couille quoi. Ouais, il est pas rectangulaire, il faut suivre, c'est rond là, tu vois. Ouais. Ça fait une forme un peu, ben on voit bien qu'on fait un truc un peu bizarre hein. Alors là c'est bien quand t'as la carte comme ça, c'est même un confort hein. Ah oui surtout en format A4 hein, c'est nickel hein. Ouais. Là il y a le centre commercial, là Leclerc. Ouais. Ça c'est ce qu'on appelle le village de Saint-Orens. C'est un village, c'est immense hein. En fait j'ai vécu là pendant, ben mes parents habitent là d'ailleurs. Ah d'accord. J'ai vécu là pendant 25 ans quoi. Ben, peut-être pas 25 parce que je suis parti tôt mais 20 ans quoi. Et tes parents sont originaires d'ici. Victor Lima Solo en vente arrière, point de chef. Victor Lima Solo en finale, point de chef. Victor Lima autorisé toucher piste 33, 250 degrés, 10 à 15 nœuds. Victor Lima Solo autorisé à 15 nœuds, hein, d'accord. Ça va. On est sur des valeurs raisonnables. Hein. Bon. Joli baraque. Hein. Voilà, c'est tous les quartiers résidentiels de Toulouse, là. Hein. Ouais, mais là, au milieu des champs... Ah, il y a peut-être des maisons de ouais, des belles maisons, ouais. Et masse carrément. Là t'as un petit château. C'est le château de Teiras là. D'accord. C'est son nom. On va faire le virage au-dessus du Leclerc en fait. C'est assez typique hein, comme... Bon derrière il y a un pilote qui vole à Logne. Alors lui ça le fait rigoler de passer au-dessus des maisons et les sommes commerciaux. C'est à Paris, c'est normal. C'est vrai que pour un provincial, bon ben...
m'a dit de rappeler en finale, donc je le rappelle pas en base. C'est pas ce qu'il m'a demandé. C'est pas en base. Ouais, il m'a dit en finale. S'il y avait un avion en base, il m'a dit numéro 2, rappeler finale. D'accord. Donc je vais faire ce qu'il me dit. Il vaut mieux. Oui, je peux. Fox Golf Charlie India Papa, bonjour. India Papa, 400 au parking d'Assaut Breguet pour un tour de piste suivi d'une navigation à destination de Gaillac avec information au Fox. India Papa, roulez point d'attente 33, rappelez prêt. Je roule et je rappelle prêt au point d'attente 33, Fox India Papa. Est-ce que tu vois la boule devant là? Ouais. C'est les zones de... Golf approaching the other field, please. Golf, you can see you tomorrow, baby. La majorité des satellites qui sont envoyés par Ariane, les satellites français, sont assemblés là. D'accord. Allez, la finale est dégagée. Pas grave, on va le récupérer. Ah. Fox Tango Novembre, on a établi finale piste 33 pour un complet. Tango Novembre, autorisé atterrissage 33, 250 degrés, 10 à 15 degrés. Autorisé atterrissage piste 33, Tango Novembre. Bon, ben, on continue avec les vents de travers. Hein. Oui. On le voit bien 250, hein, forcément le vent il vient bien de la gauche. Hein. Ouais, ouais, ouais. Un classique. Là. J'arrive un peu au-dessus du plan, mais c'est... quand il y a du vent comme ça, c'est pas très très grave parce que tu le récupères après ton plan. Faut pas arriver non plus trop haut, parce que t'arrives trop haut, après t'arrives trop vite, hein. Et du coup après tu fais pas la piste. Hein. Bon là j'ai la vitesse, je suis à 70 nœuds, bon, je vais aller récupérer mon plan, et il est long à rentrer le plan. Voilà, ça y est. Ah oui, il y a peut-être moment de travers quand même. Lasbord, Fox Bravo, extrait Hôtel Uniforme, bonjour. Hôtel Uniforme, bonjour. Fox Hôtel Uniforme, un 4, avec information Fox, demandant le roulage pour un local vers Pignu, voilà. Le 17 novembre. Hôtel Uniforme, roule fin d'attente 33, rappelez prêt. Hôtel Uniforme, je roule fin d'attente 33, je rappelle prêt. Fox Victor Lima, solo, en vent arrière pour un toucher 33. Rappelez final numéro 1, Victor Lima. Fox Victor Lima, solo, je rappelle final numéro 1. Il est en bas, oui, il y a les feux rouges là. Ben, l'hôtel est juste là, on voit le toit d'ailleurs dans les arbres, le toit rouge. Fox Tango Novembre, la piste est dégagée, on aurait souhaité refueler, s'il vous plaît. Tango Novembre, après le refueling, vous restez combien de temps? En fait, on repartira si la météo le permet demain matin. D'accord, monsieur. Donc, roulez pour la pompe taxiée principale, c'est juste après le restaurant sur votre gauche. C'est bien pris, monsieur, on roule pour le vitaillant. A tout de suite. Alors on va couper la pompe, on laisse les feux de roulage, hein. Le manche à droite. Hein. Bien de travers. Ah oui, mais t'as vu, hein, c'est... Bon, tu vises toujours la ligne médiane, parce que si tu vises pas la ligne médiane, encore plus en se finir dans l'herbe. Après, le dernier déport qui te déporte, tu cherches plus à le corriger, là, parce que le risque c'est de que la roue opposée au vent touche en premier et que tu te retournes. Ouais. Donc il faut pas non plus se la jouer. Moi j'ai pas 3000 heures de vol, hein, donc je fais avec mes moyens. Pose aussi proprement possible, hein. Passe pas l'avion, on se fait pas mal. Après le reste, hein, c'est que de l'ego. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on a la carte totale et la carte BP, donc tu vois, on peut refouler où on peut. Ah, c'est génial ça. Pour le refueling, c'est du jet, il y a moyen? Oui, affirme. C'est la pompe qui se trouve sur la gauche, j'imagine. Alors, maintenant sur votre droite, c'est la pompe totale en fait, avec la carte totale. Super, merci beaucoup monsieur. Avec plaisir, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Il faudra le rappeler pour rouler et revenir au parking. Ouais. Normalement, on va se garer au pied de la tour. Vous allez être content, Pascal, ça va faire de super photos là. Ah bah là, oui. Donc, tu vois, ça lui aurait manqué un peu. On a la place pour mettre les ailes, tu vois. Donc, si ça va pas, on prend arrêt 33 après au départ. Il ne va pas aligner vous 33, autorisé décollage de 150 degrés 10 à 15 degrés. Je m'aligne et je décolle, donc je n'y vais pas. Voilà. Je vais essayer d'attraper celui qui décolle là. Ah tiens, regarde, t'as un train classique qui arrive à droite là. 63-6. Alors, il est 18h57. Bon, j'ai pas dû noter le bon numéro parce que là... j'ai un numéro là-dessus qui est 649. Là, j'ai 619, donc... Je pense que c'était 460. De toute façon, le numéro qui est là, on l'aura sur le précédent. Et on a volé pour être précis. La borne de Fox Charlie Lima, bonjour, rebonjour. Charlie Lima, rebonjour. Tu vois, on a volé une heure. Charlie Lima, nous venons de passer le point Psycho à 2000 pieds pour une intégration en vente arrière dans une minute. Charlie, il m'a rappelé une de la vente arrière 33. On a volé 1h45 alors qu'on avait dit on ferait 1h30. Mais le quart d'heure. Je rappelle les minutes, Charlie. La balade autour du bassin d'Arcachon. Ouais. Mine de rien. Code Victor Lima solo en finale pour un toucher 33. Victor Lima autorisé toucher 33, 240 degrés, 10-15. Code Victor Lima solo autorisé. Mais bon, ce qu'on fait là, je vais te dire, c'est pas sûr que moi je le refasse avant quelques années non plus, tu vois. Bah là. Et je pense que peut-être que vous le referez jamais. Le survol de Blagnac, enfin un survol d'aéroport comme ça, où en plus le mec il te met en attente, non, ça je pense qu'à mon avis, ouais. Jamais de la vie je le referai. Et tu vois des gens comme Bruno, c'est curieux qu'il ait pas tenté de. Enfin, tenté, qu'il soit pas tenté de le faire. Parce qu'à Paris, c'est frustrant d'avoir des gros aéroports et de ne pas pouvoir les survoler. Ici, on peut faire Marseille, on peut faire Toulouse. C'est quand même inespéré. Et puis le mec, ça lui fait du boulot, mine de rien. Ah bah ça. Il a fallu qu'il nous machine. Par contre, pour faire le plein, on sera obligé de sortir de l'avion. On a le droit de faire le plein avec du monde dedans. Du monde normal. Ouais. Ah, mais tiens, on va regarder tout ce qui est la prise statique et tout là. Tu sais, stabilisé pour la masse. Je peux reculer, c'est bon. Je vais vers 1h52 de vidéo. 1h52 Combien? Ouais, pour 1h45 de vol, c'est cool. Hein. Ouais, j'avais mis juste avant de partir. Là. Tu vois, je suis content parce que là, on a fait une approche top. Pas de reproche, on a fait ça comme il faut parce que c'était clean, c'était préparé, c'était machin quoi. Dès que tu fais des approches un peu à la Johnny One Again, quoi, et ça te rappelle vite à l'ordre. Hein. Tu vois ? Et ouais. C'était top. C'est régalé quand même. Hein ? Ouais ? Excellent. Ah, mais là en plus, ça m'a vachement aidé que tu sois là parce que. Ouais. Bah, pardi, oui, parce que moi, après Jean-Luc, il fait avec ses moyens ce qu'il peut, mais là, il y a des moments de The 20, je me sens un peu seul parce que tout à l'heure, il fallait que je règle la radio, le machin, le truc. Bon, ça va, c'était pas là, sur le temps. Là, je suis d'aucune utilité, c'est pas un reproche. Mais non, mais je suis, mais bien sûr, non. Et comme t'avais un peu, tu te sentais pas à l'aise de piloter, du coup, c'est pas évident de tenir le manche, non. Tenir les caps, préparer les cartes. Non, j'ai été refroidi au début, ça secouait, mais ça bougeait un peu trop pour moi. Ouais. Et à chaque fois que je tentais de bouger, j'avais l'impression de faire pique bien, donc du coup ça te met pas en sécurité alors sur les deux. Bon, et ben voilà. Et déjà on est parti, je pense que ça a dû être séché aussi par le décollage où on s'est un peu branlé. Ça fait du bien de s'arrêter aussi quand même. Et bien à la prochaine fois, et demain, dernière branche, la cinquième, retour à Avignon, si tout va bien, on verra la météo. Bye bye.